on vend, enfin on vend. Dans le crossfit, ils vendent énormément le sport crossfit comme étant un outil de préparation physique. Mais toi, c'est pas quelque chose qui va t'intéresser justement par le côté gymnastique et cardio qui n'aura aucun transfert à ton sport. Bah, moi, c'est les fibres. Toi, ta prépa physique, ça va être de la force, de l'haltéro, du travail explosif, de saut, de pliométrie. Ouais. Et de toute façon, je suis jamais essoufflé dans les entraînements quasiment. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Power Show, le numéro 28. Aujourd'hui, un épisode avec un guest un petit peu différent d'habitude, Eddy Clerté ou. Claire, tu dis comme tu veux. Claire, les Américains ils disent Claire, t'es. Les... Non, tu peux pas dire Claire, tout à l'heure, tu m'as dit aussi. Est-ce qu'il y a un accent? Clerté. 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 Il y a un accent ou pas? Ouais, il y a un accent, ouais, normalement. Clerté. Mais moi je le mets pas, moi. Il y a un accent sur le. C'est avec des anglophones. Eddy Clerté, t'as 21 ans, c'est ça? Je sais pas. Exactement, 21 ans. Bientôt 22 dans 15 ans. Bientôt 22, et il est. BMX racer professionnel, c'est ton métier à temps plein. C'est ça. Voilà, donc on a beaucoup de gens qui font du sport de manière très régulière, mais pas souvent des sportifs de haut niveau avec nous. Donc du coup, c'est une discipline olympique, ça s'appelle le BMX Supercross ou le BMX Racing. Ouais, BMX Racing, voilà. C'est ça. Donc ça fait combien de temps que tu fais ça? Il y a deux ans, il roulait déjà. Ouais, ça fait depuis depuis que j'ai 3 ans, donc là ça fait 18 ans quoi. Ok, donc aujourd'hui dans ce podcast, forcément, on va parler un peu de son sport, de ses objectifs, de son palmarès, un petit peu là où il veut aller. Et on va aussi essayer du coup de parler un peu de ta prépa physique, parce que c'est ce qui nous intéresse le ouais, plus. Parler un peu de ta prépa physique, en quoi elle consiste, etc. Et puis on va voir qu'il y a pas mal de similarités avec... Il y en a qui ont peut-être vu sur mon Instagram, Eddy est pas trop mal en squat et en... Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to. C'est pour ça que Louis est là. Enfin, même s'il n'y avait pas d'altéro, tu serais là, Louis. Mais en tout cas, vous allez voir qu'il va y avoir des points de ralliement avec Louis. Bah, du coup. Est-ce que d'abord tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que ton sport? Parce que les gens ne connaissent pas forcément. Ouais, bah, du coup, BMX aux gens, ils ne savent pas si c'est BMX, les boss, pour eux, si c'est les rampes, si c'est... Les gens, quand je leur dis que je fais du BMX, ils me disent souvent tu fais des saltos et tout. Non, en fait, nous, c'est vraiment un sport de vitesse du coup. Et on est 8 sur une grille de départ, donc il y a les ordres, du coup, avant que la grille tombe. Et c'est aléatoire du coup, tu as les ordres, tu as un blanc et après c'est les bips et les feux qui s'allument. Et après, donc ça démarre à fond, ouais, c'est 30 secondes à 110%. Donc il faut être plus qu'à 100%. Et la piste, elle fait combien à peu près? La piste, c'est entre 300 et 500 mètres. Pour les plus longues, j'ai fait une course en Chine où la piste avait 500 mètres et là c'était très très dur, c'était 40 secondes le tour. Contrairement à beaucoup de sports, la particularité aussi, c'est que tu n'es jamais sur la même piste. En fonction des endroits, la piste. Ouais, on change beaucoup de pistes. Après, l'UCI, donc l'Organisation du Cyclisme Mondial, elle a fait en sorte qu'on ait des pistes qui se ressemblent quand même. On a les mêmes grilles, on a les mêmes buts de départ. Donc, mais un peu comme sur les skateparks, etc. Il y a une. Ouais, il y a une norme en fait. Il faut bien l'argent de la piste, il faut des virages en goudron pour une meilleure adhérence. Donc, voilà. Donc, on est 8 sur la piste. Les 4 premiers sur chaque tour passent. Donc, en gros, on a les manches qualificatives, on a 8e, quart, demi-finale. Et à chaque tour jusqu'à la finale, c'est les 4 premiers qui passent. Et après en finale c'est full gas quoi. Okay. Donc comme t'as dit c'est un effort qui est très court, c'est entre 25 et 40 secondes sur des pistes. Ouais c'est très rare que ce soit 40 secondes, c'est plutôt entre 28 et 35. Donc c'est pas du vélo de route, c'est pour ça aussi que t'as pas le physique des mecs qui font du vélo de route, c'est pas des efforts de 2 heures, c'est l'explosivité. Que l'explosivité, on rentre à peine dans la filière lactique. Ouais, en gros si tu devais comparer en athlétisme, ce serait l'équivalent d'un 400 au niveau de la durée d'effort. Ouais, limite un 200 ou un entre 100, 200 parce et 400, que, ouais, parce que c'est ce que j'aime bien dire, c'est moi, l'explosion du départ qui fait la diff aussi. Dans notre sport, on est plutôt première ligne, on est vraiment à 100%, et après le reste de la piste, c'est plutôt du rythme en fait, et être propre sur la piste, à bien absorber les bosses, c'est ça qui est le plus important, parce que quand t'es lancé, au final, tu prends pas plus de vitesse que... Ouais. C'est le démarrage qui est dur, quoi, c'est lancer la machine qui est dur. Le démarrage, c'est ce qui demande l'effort d'explosivité, d'où ta prépa... D'où la prépa altéro du coup, ouais, c'est ça. Bon, du coup, Wikipédia, ils ont faux, ils ont dit une piste entre 340 et 400 mètres. Faudra que t'ailles modifier. Non, mais c'est parce qu'on a eu un événement. Maintenant, il y a des pistes qui, comme je t'ai dit, j'ai fait un événement spécial en Chine là. Et c'était vachement plus long. Dans les 100 derniers mètres, ils doivent faire mal quand t'es pas ouais, en fait, là... Par contre, je pense, mais sur un effort comme ça, de passer de 400 à 500 mètres, ça doit être très dur. Et tu peux avoir un changement complet de. Mais en fait, montrer un truc similaire, c'est comme si tu te mets à courir dans une rue là et que tu vas à fond pendant 30 secondes quoi. Ouais.
Donc c'est. Et qu'après, t'arrives au bout de la rue, t'es en sprint, t'es à donf et qu'on dit en fait il reste 15 secondes à faire. Ouais. Allez, continue. Ouais, ouais, c'est ça. Ok, et du coup, t'as démarré quand? Comment t'as découvert ce sport? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es engagé dans cette voie-là un petit peu? Bah, du coup, c'est mon père qui était pro, du coup, dans les débuts des années 90 jusqu'à 2000-2002. Donc quand t'as su marcher, il t'a mis sur un vélo. Et c'est une discipline olympique depuis 2008 d'ailleurs, pour ceux qui le savent. Ouais, exactement, discipline olympique depuis 2008. Et du coup, pour ma part, ouais, j'ai roulé sur un vélo sans les roulettes à 2 ans et demi. J'ai fait ma première course à 3 ans. Donc là, j'ai une petite sœur qui a 3 ans et je me dis qu'à son âge, j'étais en train de faire du vélo sur le tour entier. C'est assez compliqué, mais ouais, j'ai réussi à le faire assez tôt. Il y a toujours les petites barres qui tombent. Hein. C'est là qu'on sait que c'est le power show, c'est qu'on va prendre des petits booms. Il y a pas de secret. C'est ça qui est bon. On parle souvent des profils d'athlètes de haut niveau. On dit qu'ils ont des qualités physiques, qu'ils sont sérieux, qu'ils travaillent, etc. Et il y a souvent aussi un passé familial, un contexte familial qui aide beaucoup parce que ouais, c'est clair. C'est clair que de toute façon, dans ton sport, tu as besoin de qualités physiques hyper impressionnantes sur les départs. Tu as besoin de coordination, sur l'absorption des bosses ou autre. Et tu dois avoir une énorme appréhension chez certaines personnes qui commencent le BMX Star que toi, tu n'as pas forcément. Parce que c'est un sport clair. Qui peut faire peur sur les bosses ou autre. Et toi, tu débranches le cerveau, t'envoies, tu vois les bosses. Ouais, je pense que j'ai grandi du coup. Mon corps s'est habitué carrément à être un cycliste. En fait, j'ai grandi en faisant ça. Tu t'es développé. Le corps de tout le monde s'habitue à ce que tu fais. Alors, en fait, depuis que j'ai 3 ans, mon corps il connaît que ça. Les automatismes qui ont été créés, ils sont hyper importants quoi. Pour le départ. Et t'es passé pro à quel âge? Les départs sont hyper importants. Du coup, je suis passé pro à. En fait, l'histoire, c'est que j'étais au lycée et ça me plaisait pas. J'étais vraiment. J'avais l'impression que la société, c'est de te mettre dans cet entonnoir comme tout le monde, tu vois. Il faut que tout le monde rentre dedans. Il faut que tout le monde soit. Fasse partie d'une catégorie normale, on va dire. Les gens essayent un peu de tuer tes grands rêves. Donc il faut essayer de sortir un peu du lot. Et à 17 ans, j'ai sans diplôme, j'étais en première. J'ai fait le premier mois du lycée. J'avais déjà fait ma seconde, du coup. Et j'ai dit à mon père, écoute, je suis pas heureux, j'ai vraiment l'impression de pas vivre, quoi. Et je sais pas ce que ça va être la suite, mais je me vois pas finir mes études et travailler direct après. Et au final. T'avais quel niveau à ce moment-là en BMX? Je faisais partie des 16 meilleurs français, quoi. Donc c'était. J'étais là techniquement, mais physiquement, j'étais une brindille, j'étais petit. Mais j'imagine que ton père, il pouvait déceler chez toi déjà la capacité ou non de faire du haut niveau. Il avait recul étant donné qu'il avait fait ce sport lui aussi. Ouais, c'est clair. Après, tu sais, la différence est tellement petite que, enfin, moi à l'époque, personne n'aurait dit que j'arriverais là où je suis, même si dans ma tête, j'ai pas fait la moitié de ce que je veux faire réellement, mes objectifs. Mais voilà, sur le papier, j'étais pas censé arriver là déjà. Tiens, juste parce que la France elle a un statut un peu particulier en BMX, les gens ne le savent pas, mais c'est un sport où les Français sont plutôt performants. Ouais, grave, c'est clair. C'est quoi les grosses nations du BMX? Les grosses nations du BMX, il y en a deux, hein, je dirais. Après, le reste, c'est plutôt, t'as des gars qui sont forts, mais qui sont. C'est ponctuel un peu. C'est les kings de leur pays, tu vois. C'est quoi? C'est Hollande et France? Mais Hollande et France, exactement, c'est deux pays où ils sont hyper investis dans le cyclisme. Hein. Que ça soit sur route, que ça soit en BMX, en VTT, les Hollandais, les Français, ils sont toujours présents. D'ailleurs, toi, ton coach chez Prépa, qui est français, là, c'est l'un des plus gros palmarès du BMX. Ouais, c'est ça, Thomas Hallier, du coup, qui a été aux Jeux Olympiques en 2008, à 32 ans, donc fin de carrière, il a été. Il a cherché les JO dès que le sport devient olympique. Ouais, il a été chercher les Jeux, du coup, je pense qu'il aurait arrêté avant, mais là, il a été chercher les Jeux, il a réussi, donc. Il a participé aux Jeux et puis il a été surtout champion du monde, multiple champion du monde, multiple champion d'Europe, champion de France dans toutes les KT en pro. Et là maintenant c'est un entraîneur qui fait partie du. Enfin voilà, c'est la référence en BMX quoi. Et lui il gère ton entraînement BMX et il gère aussi ta prépa physique, il fait les deux. Exactement, ouais. Donc du coup moi je suis un peu là pour. En fait on communique vachement, moi je suis passionné vraiment de l'haltéro. Et du coup, moi, je lui transmets vraiment, si je vois des exercices sur Instagram, par exemple, s'il y a beaucoup de vidéos qui tournent, maintenant, aujourd'hui, on a vraiment la chance de pouvoir faire la carte de l'expérience. En fait, on est un peu tous les deux à créer le programme, en fait. C'est vraiment, on est hyper complices et à chaque fois que j'ai des petits problèmes ou quoi, il m'écoute vachement. Et c'est combien de temps qu'il te suit? Ça fait 2 ans maintenant, okay. Presque 2 ans. Ouais. Et il encadre du monde ou il a un nombre restreint de personnes? Ouais, il a 10 personnes. Oui, donc 10-12 personnes. C'est pas vraiment du coaching à 200 personnes. Ouais, non, c'est du coaching vraiment privé. Et lui,
Ils préfèrent faire du travail de qualité j'imagine que faire de la quantité parce que c'est un sport quand même. Quand tu arrives à un certain niveau en coaching, c'est un peu dur d'avoir beaucoup de monde sur ce sport-là, tu vois. C'est, parce que t'as tellement de trucs autour. Si t'es capable d'amener des mecs au JO, tu évites de bifurquer le coaching de 100 personnes. Je voulais revenir sur ton parcours. Donc, à 17 ans, tu te rends compte que t'es pas heureux, que t'épanouis pas à l'école. Je pense que ça, c'est dû aussi au fait que t'avais un sentiment d'accomplissement personnel en dehors de l'école, que les gens n'ont pas forcément, que les gens ils sont à l'école. Mais les à côté, c'est des loisirs, et c'est pas forcément les choses dans lesquelles ils s'accomplissent, où ils se transcendent. Et du coup, je pense que toi, en fait, comme tu avais ça sur le côté, tu t'es dit, bah attends, là, je m'éclate, et je m'épanouis. En plus, j'ai l'impression d'accomplir une mission, un but dans la vie, donc je pense que ça a dû jouer. Oui, c'est clair. Et donc, du coup, tu en as parlé à ton père, et c'est quoi la suite du coup? Ton père, il t'a dit ok, il a dit ok, pas. C'est plutôt ma mère qui a dit oui au début. Pourtant, mon père, c'était le. C'est marrant. Mon père était un peu sceptique au début, voilà, c'était. Tu vois, on a parlé avec Lokov, c'est pareil, son père au début, il voulait pas. Parce qu'il savait ce que c'était que la vie d'athlète de haut niveau, voilà, c'est compliqué, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Tu sais jamais, il n'y a jamais de sûreté dans ces choses-là, quoi. Mais... Ouais, on est dans une société qui prône pour la sécurité, de l'emploi, de la vie, de tout, donc c'est sûr que. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, et puis surtout, les parents poussent pas. La plupart des parents, moi j'ai de la chance, hein. La plupart des parents te diront jamais fais ce que tu veux, va chercher les plus grands rêves que tu as depuis que tu es un gosse, bah, va jusqu'au bout, tu vois. Et après, c'est parce normal. Les parents ils veulent la sécurité, ils veulent que leurs enfants ils aient de l'argent pour pouvoir vivre, non, et ça je peux comprendre, tu vois. Nos parents ils étaient dans un système où l'école permettait de t'émanciper, etc., de changer de classe sociale, pour bifurquer un peu. Moi, mon père, c'est normal qu'il m'ait poussé là-dedans. Il est né au Maroc, à 18 ans il est venu en France, il a fait des études et aujourd'hui il a travaillé chez Auchan, etc., c'est devenu un cadre sup, il a très bien réussi sa vie grâce à la plateforme qui est l'école aujourd'hui, sauf que maintenant ça fonctionne plus autant qu'avant, donc c'est peut-être aussi pour ça que toi t'y croyais pas. Par contre, lui c'est un ancien modèle et il devait avoir forcément. Après, tu vois, il y a des gens qui rêvent d'être médecin et les mecs ils doivent passer par les études, et ça c'est complètement compréhensible. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'il y a des gens, il y a tellement de personnes qui vont jusqu'au bac et qui ont rien en tête, quoi, ils savent même pas ce qu'ils vont faire. En tout cas, le bac au final. Je suis allé jusqu'à bac plus 5 et à bac plus 5, je sais toujours pas ce que je vais faire. Hein, Et voilà, et moi j'ai changé complètement. Il y a un truc qui s'est tourné dans mon cerveau, il y a un bouton on qui s'est mis en place et j'ai dit ouais, je pense que Louis Marin et moi on a eu un peu la même attitude, c'est-à-dire qu'on a rempli notre contrat vis-à-vis de notre famille, etc., vis-à-vis de la société, on s'est dit bon, on va jouer le jeu. Mais en fait, moi et Louis aussi, enfin Marin, dès qu'on s'est dit ok, on a le pied dehors, ok, qu'est-ce que je peux faire qui est pas du tout comme ce que j'ai vu là. Mais ça, du coup, c'est vachement cool pour tes parents, mais au final, est-ce que c'était ce que tu voulais toi réellement? Pas forcément, c'était pas non plus nécessaire, mais je vais pas dire que j'ai fait 5 ans de merde, j'ai appris plein de choses en 5 ans, j'ai fait un réseau, je regrette pas maintenant d'avoir fait ça, mais ça, c'était pas nécessaire, après coup c'était pas nécessaire, j'aurais pu avoir une autre voie pour faire ce que je suis aujourd'hui. Mais tu vois, en fait, je pense que moi je suis parti parce que je me suis dit, mais si je vais au bout là, est-ce que je vais regretter, tu vois, parce que le temps passe vite, les années passent vite, et moi je préfère être... passer de 17 à 35 ans au taquet et après me poser un peu, tu vois, plutôt que de justement faire les études et tout, et au final tu n'as pas le temps de te reposer. Je pense que les regrets on les a sur les choses qu'on fait pas, de toute façon, pas sur les choses qu'on fait, dans tous les cas. Ta mère te donne la validation donc quand t'as 17 ans. Ouais, les deux en fait. Mais il y a eu une petite semaine de... Ils ont dû parler, je sais pas s'ils ont fait. Et au final, voilà, ils sont mis d'accord. Moi, je fais de la musique en même temps, donc je suis chanteur, guitariste. Donc j'ai une autre chose qui peut me rapporter, du coup, le côté financier. Je peux me faire plaisir en musique et ça me rapporte quand même un côté financier. Donc le deal, c'était que je fasse du sport de niveau et que je continue dans la musique, que je pousse dans la musique. Et c'est ce qui se passe parce que les deux ça grandit ensemble, donc voilà pour... C'est bien, tu vas motiver des gens, c'est un bel exemple, tu fais du sport de haut niveau, tu fais de la métier artistique, c'est bien, tu vas en faire rêver plus d'un. Ouais, c'est bien, mais j'ai toujours été attiré par les choses qui sont un peu différentes, quoi. J'ai envie de faire de l'art. Tu vois, la voie de l'école et du boulot t'intéressait pas forcément, alors que... J'ai vraiment envie de m'épanouir dans ce que je fais. L'épanouissement, ouais, exactement, t'as le sport, l'art qui sont de je pense qu'il y a deux types pour moi de métiers, pour faire grossir le trait. Il y a des métiers où tu es un exécutant et des métiers où tu es un créateur. Et il y a des gens qui aiment bien être des exécutants. Il y a des gens qui, par exemple, des gens qui adorent faire de l'audit, qui adorent gérer de la compta, etc., gérer des trucs carrés où il y a aucun... C'est des normes et ils aiment bien compléter un cahier des charges. C'est un caractère, etc. Et il y a des gens, par contre, à l'inverse, ils aiment bien avoir de la liberté et créer.
Je pense que là, sachant que même nous trois à Powercom qui sommes entrepreneurs, on a chacun, il y en a toi qui va être plus créatif par exemple et Marin qui va être beaucoup plus dans le côté exécution cartésien. Enfin vous voyez dans votre situation en fond, il y a quand même un risque de prix, tu vois, il y a un moment où tu te dis ouais est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Oui, non, bien et sûr, ça c'est ça ce qui coûte, tu vois, dans le pas dans le blanc côté, tout noir, c'est tout, tu vas y avoir des nuances en fonction des. Ouais, dans le côté entrepreneur, c'est vraiment que t'as des moments difficiles, t'as des moments où tu sais pas si ça va marcher. Et c'est pareil dans la vie sportive, c'est des hauts et des bas, et c'est ça ce qui, je trouve, c'est ça qui te fait sentir vivant, tu vois, l'espèce de sécurité que les gens vont chercher en allant chercher un boulot pour avoir de l'argent. Et ben je trouve que c'est ça manque de tu vois, de hauts et ouais, des bas. Il faut pas leur jeter la pierre aussi, parce que c'est ils sont sans doute différents, ils veulent pas forcément, ils sont pas assez attrés par justement le risque ou autre. Ouais, il faut respecter tout le monde, hein, de toute façon, ouais. pour leurs différences, mais ouais. Je fréquentais une nana à l'époque quand j'étais à l'école. Et la nana, je lui avais dit, elle m'avait dit, elle venait d'être diplômée, et elle avait commencé son boulot, elle m'a dit, ouais, je lui ai dit, t'aimes bien ton boulot, elle me dit, oh, je me fais chier. Et je lui ai dit, mais ça t'aime pas, elle me fait, non, j'ai accepté que ça va être comme ça pendant 30 ans, ça me dérange pas. Elle, ce qu'elle aime, c'est organiser ses week-ends, ses vacances, etc. Mais oui, tu vois, fais chier personne en fait, après, t'as ton week-end. Tu vois, alors, en fait, je pense que c'est un défaut que pas mal de gens, justement, qui sont dans notre position ont, c'est un peu de juger les autres qui font pas ça en disant, putain, pourquoi ils font pas ça, etc. Mais en fait, c'est un besoin différent. Eux ils vont te dire et pourquoi l'autre il a toujours besoin de se mettre en danger en permanence, etc. Pourquoi il a toujours besoin de remettre le titre en jeu tous les jours alors que moi en fait tu vois c'est une approche différente de la vie tout simplement. Donc du coup 17 ans ta mère c'était ton père, ils se mettent d'accord. Est-ce que c'est quoi en fait le moment où tu t'es dit bon là je peux faire quelque chose? Je sais que tu t'es peut-être toujours dit mais c'est quoi est-ce qu'il y a une compétition, un moment précis, un peu révélateur où là tu t'es dit ok, là ça peut le faire. Là franchement je peux aller, bon, en fait, taper les gros. J'ai vraiment pris un risque parce que comme je t'ai dit je faisais pas partie des meilleurs, il y avait rien sur le papier, il y avait rien de sûr. Donc mes parents du coup se mettent d'accord et je décide de partir 2 mois aux États-Unis. J'avais un peu tout de côté vu que j'avais fait des concerts l'été, tu vois. C'était en 2015 ça du coup. Donc la première année où Donc je suis parti aux États-Unis 2 mois. Je me suis entraîné pour la première fois de ma vie, j'ai commencé l'haltéro, j'ai fait des cleans dégueulasses, je pense que Louis il aurait pas été content s'il avait vu ça. Mais ouais du coup j'ai commencé un peu tout ce que je fais aujourd'hui je l'ai commencé un peu en 2015, mais vraiment à un rythme pas très organisé, pas beaucoup de travail sur la technique. Mais en tout cas j'ai commencé quoi. Tu penses que c'est la transition vers la prépa physique qui a fait changer ton niveau en vélo? Ah oui c'est clair parce que comme j'ai dit, enfin je l'ai pas dit d'ailleurs mais. bagage technique, donc sur le vélo, ouais, toute la technicité, j'étais vraiment j'étais là quoi, je faisais des trucs que les gens de mon âge ne faisaient pas quoi. Ce qui est souvent le cas d'ailleurs quand t'as un petit retard physique, tu compenses par des aptitudes techniques qui vont se développer plus vite que les autres. Moi j'ai tellement roulé en fait, il y a tellement d'heures de roulage derrière. Oui, quand t'as démarré très très jeune, t'as un temps de travail sur le vélo qui est énorme par rapport à t'es aussi bien sur un vélo qu'à pied toi. Donc, non mais je préfère être sur un vélo qu'à pied hein, parce que quand je suis à pied, je commence à avoir mal partout. C'est clair. Et du coup voilà, je travaille sur le côté physique un petit peu. Ma première année où j'ai commencé à m'entraîner, justement, j'ai quitté l'école. Je me suis qualifié pour le championnat du monde. Donc, ça arrivait direct. Donc vraiment, championnat du monde. Non, vraiment, c'est vraiment une grosse progression en junior où je faisais j'avais encore un déficit physique où je doublais les mecs dans les virages en fait. Donc, c'était pas ton départ qui était ton point. Ah non, mon départ était pas très bien, mais j'allais super vite sur la piste. Donc, du coup, je doublais tout le monde. En KT junior, ça va, c'était vraiment bon techniquement, tu peux passer tout le monde. Et du coup, qualification championnat du monde. Super content et tout, mais au final, voilà, je me blesse, je me pète le genou, le ménisque. Donc là, ça a été vraiment un gros test dans ma vie où vraiment j'ai passé beaucoup de temps à m'entraîner, à quitter l'école et tout. Et juste avant, je suis pas du monde junior, tu la dernière direct. Année, je me pète. Tu t'es pété sur une chute? Non, sur un faux mouvement. En finale de Coupe de France, section pro, c'est la partie en deuxième ligne où on saute sur des plus grosses bosses que les filles, du coup, ou que les autres KT. Et du coup, sur un saut, j'ai juste fait une flexion, à mon avis, une torsion un petit peu. Et le ménisque, il a claqué. Donc du coup, voilà, pas de championnat du monde. Le médecin, on va le voir, il nous dit, écoute, il dit là, soit tu roules comme ça avec la douleur, soit tu y vas pas. Tu vois, moi, j'avais tellement mal, je peux pas y aller, tu vois. Mon père qui fond en larmes chez le docteur. Et moi, je lui dis, tu sais, c'est pas grave. Je sais ce que je veux et... Pour combien de temps t'en avais là? Il t'a dit combien de temps d'arrêt? Ils m'ont dit 6 mois. 6 mois d'arrêt et 6 mois... Pas 6 mois d'arrêt, ils m'ont dit 1 mois sans rien. Et après tu y retournes, mais c'est du 50, 60, 70. Et au final t'es à 100% après 6 mois quoi. Sachant que toi, si tu fais ça bien. Ils t'auraient dit tu peux faire de la muscu du corps et basta, tu t'en fous de la muscu du corps toi pour ton sport.
que tu voulais faire. Ouais, c'était j'ai quasiment rouler, je crois que ce mouvement-là, tu vois, les biceps là, même les triceps, je l'ai pas fait depuis très longtemps. De toute façon, on va parler après de ta prépa, mais ta prépa, ouais, en gros, voilà, ces deux mouvements, c'est power clean et squat. Ouais, c'est ça, ouais. Si on peut résumer après, t'as des valeurs, on va parler après. Les vont pas trop vite. Alors, du coup, voilà, du coup, ouais, c'est ce moment-là qui a été assez difficile, mais qui m'a forgé, tu vois. Direct, ma première année où j'ai arrêté, où j'ai vraiment passé les étapes vraiment vite, et ben là, tu te prends une claque dans la gueule et la vie te juste teste quoi. Ouais, dit, est-ce que tu dis, est-ce que tu. Non, mais c'est même pas ça, moi je l'ai pris en mode. Est-ce que tu veux vraiment ça dans ta vie, tu vois. Et ces 6 mois là, j'avais ma jambe qui était comme ça, j'avais plus de muscles, mon genou était. J'étais pas bien quoi. Et voilà, c'était un gros test et ça m'a forgé. Et la première année en pro, du coup, parce que ça, il faut le dire, hein, c'était la première année où je devais me préparer pour aller en pro. Donc, c'est vrai que faire un bon résultat en junior, bah, tu peux direct aller en équipe de France en pro. Donc, ça peut vite t'ouvrir des portes en fait. Sauf que moi, ça m'a fermé toutes les portes. Et après, bon, j'ai été en élite. Première année élite, du coup, j'étais en top 16 français en élite. Donc, la première année, donc c'était vraiment c'était une belle surprise, tu vois. T'es revenu vite, je faisais. Bah ouais, en fait, comme je dis, j'ai eu 6 mois de galère, donc jusqu'à novembre, j'ai pas pu faire une grosse prépa. Donc normalement, la prépa, c'est septembre-décembre. Moi, ma prépa avant ma première année élite, c'était novembre-janvier, quoi. Donc j'ai eu que 2 mois pour me préparer. Mais voilà, des beaux résultats quand même, où j'ai fait un quart de finale en Coupe d'Europe, donc top 32 en Coupe d'Europe. Donc là, c'est tous les pros entre 18 et 30 ans. Et donc voilà, quelques résultats. On s'en rend pas compte, mais c'est avec ce qu'on discutait tout à l'heure, c'est un sport quand même assez dangereux. Sur sa story hier, il a souhaité bon anniversaire à un coureur, un mec qui est coureur comme toi. Ouais, je suis allé voir sur son profil par curiosité parce que je regardais, comme je préparais le podcast un petit peu, je regardais ce qu'il faisait. Ouais, et le mec, il est bien amoché quoi. Il est en fauteuil, il a des paralysies un peu partout. Donc, sur des chutes. Une chute. Ouais, sur une chute en Australie, du coup en début d'année, on avait une Coupe du Monde là. On avait une piste où il y avait un peu de vent et c'était l'une des pistes les plus rapides qu'on ait jamais vues. Et le gars, il est tombé au pire endroit. Donc, fin tu l'as pas écrit quand il est. Ouais, en fait, moi j'étais deux courses avant lui. Donc, il est parti en hélicoptère. Et voilà, quand on l'a vu partir, ils ont annulé la course. Donc, ah oui, ça a mis un coup de froid à ce point-là. Ah ouais, bah, moi j'ai dit à mon entraîneur, je roule pas quoi. On était en Australie, hein, on a voyagé. Traumatisé par. Mais ouais, c'est dur. C'est surtout que c'est un ami, tu vois. Et 2 jours avant, je buvais le café avec quoi. Donc, c'est à ce point où il y a beaucoup de blessures. Ouais, on a tous des blessures. Après, voilà, les je blessures pense graves que. Comme lui, je pense que. Enfin, j'ai oui, espéré qu'on n'a pas autant. Les blessures graves, ça arrive pas trop, trop souvent, mais. Après, ça arrive j'imagine comme, que quoi. Sur une chute, tu as vite fait de te faire un poignet, de te niquer le genou. Parce que si tu veux, moi, je suis allé voir son profil et j'ai vu qu'en gros, je me suis dit, il est un peu fin, lui, pour un BMX racer, etc. En fait, je suis redescendu, mais genre, pas beaucoup était, de photos. Il était énorme. Et je me suis dit, il était costaud, en fait, etc. Après, j'ai dit, il a changé tout. Je me suis dit, le pauvre, il est vraiment diminué physiquement, quoi. Ouais, après, franchement, je suis vraiment content. Il a quand même bien repris là. Il commence la rééducation. Il a repris ses muscles parce qu'il est resté 2 mois dans le coma, il faut le dire. Oui, donc c'est il ça qui est deux mois dans le coma. Donc ça, c'est compliqué. Mais voilà, parce qu'en fait, j'étais sur le cul. Je me suis dit que j'allais t'en parler aujourd'hui. Quoi, ouais, il faut être conscient. Je pense que tout le monde doit. Enfin, j'en parle dans toutes mes interviews. Il faut être conscient. Chaque sport à risque, il faut accepter que ta vie peut changer du jour au lendemain. Et ouais, donc toi, tu rigoles. Déjà, le sport de haut niveau, ça peut changer du jour au lendemain. Alors, en plus, c'est un sport extrême. Ça peut oui, justement, quand tu vois des mecs qui disent l'haltérophilie, c'est dangereux ou autre, tu rigoles. C'est la partie safe de l'entraînement, l'haltéro. C'est sur la piste qu'il y a les risques. Bah, l'haltéro, c'est plus tu peux te flinguer des genoux, tu fais oui, sur un mauvais sur mouvement. Ça sur du long terme. T'as vu Marin là, quand il a fait son clean, ses deux genoux sont partis comme ça là. Là, tu peux te fracasser quoi. Mais, tu as pas vu toi l'échec à Marin. Mais après. Je m'interdis pas de faire des petites insertions de. Après, je sais pas si l'haltéro ça peut te casser une vertèbre ou ça peut te faire du lapin. Il y a très peu de blessures partant de pratique en haltérophilie. C'est un des sports qui est quasiment les plus safe. Ouais, c'est. Puis les gars, ça empêche pas des gens de mettre des commentaires. De toute façon, ce qui est bien avec l'haltéro, c'est que tu passes chaque étape en fait et tu peux pas mettre plus de poids si t'as pas la technique requise ou l'explosivité requise. Donc au final, le sport te bride un peu jusqu'à ce que t'aies le niveau pour le faire. Donc ouais, c'est sûr. C'est plutôt cool. Si tu fais un échec, tu lâches la barre, tu vois. Y a pas de. Ouais, alors que toi, tu prends une bosse et bah tu te rends compte que quand t'es en l'air, que en fait. Ouais, nous, on va avoir le niveau. Puis l'haltéro, c'est quand même. On regarde devant soi, il y a des placements, etc. C'est un donc. Ouais, y a pas trop d'imprévus si tu veux en haltéro. Si t'as la technique, oui, donc, tu passes de position. Non, même je le vois pour comparer un peu avec la danse, tu vois, où c'est un sport où tu peux, toutes les directions sont envisageables, tu vois, alors que l'haltérophilie c'est un sport comme tu disais où t'es relativement droit tout le temps et comme disait Louis, c'est très bien, t'es dans un carcan. Et du coup, ouais, ça me permet d'arriver sur autre chose et ça va nous permettre aussi après de parler prépa physique. C'est quoi, du coup, pour toi les qualités physiques nécessaires pour être compétitif dans ton sport? Physique.
pas technique. Oh, bah là, là, ça se joue tellement à des détails, faut être hyper technique déjà. Donc, pour tous ceux qui nous regardent et qui sont jeunes en BMX, il faut vraiment passer du temps sur le vélo. Donc, tous les jeunes qui commencent à faire de la muscu à 14 ans, bon, sans encadrement, bah, c'est pas une bonne idée. Après, moi, comme j'ai dit sur mon interview là, il y a pas longtemps, j'ai dit ceux qui veulent commencer l'haltéro à 12-13 ans, il faut y aller. Il faut aller apprendre les techniques, il faut aller travailler sans poids, barre à vide avec les poids techniques. Ouais. Donc, il faut vraiment essayer de construire un bagage technique. Si vous pouvez à l'avance, ça va vraiment vous aider pour le futur. Parce que moi, j'ai commencé la muscu à 17 ans. Donc, niveau bagage technique, j'ai dû vraiment me concentrer, travailler fort pour pouvoir vraiment acquérir ce que j'ai acquis aujourd'hui. Donc, c'est un travail de sensation pour passer. Du coup, pour revenir sur la muscu, sur la prépa, pour le coup, toi, je t'ai vu il y a 2 ans en haltérophilie et maintenant, ça n'a quand même rien à voir la technique sur les 2 ans. Ouais, une grosse progression qui est arrivée tard du coup pour toi entre tes 20 et 22 ou 19 et 21 ans. Je suis un malade de l'observation. Comme je t'ai dit, les Shintok, même s'ils n'ont pas du tout la même morphologie que moi, je les regarde et j'essaie d'apprendre de chaque haltérophile. Je regarde beaucoup de vidéos, quoi. Je fais beaucoup de visualisations pour essayer de reproduire. Là par exemple, j'ai travaillé sur ma vitesse d'exécution, donc à partir de l'explosion en haut des hanches, là, quand la barre elle tape, j'essaie de réduire le temps qui se passe entre la barre qui tape et que ça avec le véhicule. C'est donc du coup vitesse, explosivité pour grossir le sport. Ouais, en fait, pour revenir sur le sport parce qu'on dérive très très vite, hein, on a beaucoup de choses à dire. On en a parlé en off. Toi, maintenant, tu m'as dit que la différence, t'arrivais à la faire au départ. Alors qu'on a dit juste avant, il y a 10 minutes, qu'au départ, c'était pas explosif. Et maintenant que t'as pris de la force et de l'explosivité principalement dans les cadres, ton départ devient un point fort. Je pense que ça, il y a de la génétique aussi, tu vois. Ça, je pense que t'es explosif de nature. Bien sûr, mais après, ça se travaille. Comme tu dis, à 17 ans, t'avais pas l'explosivité que t'as aujourd'hui. Mais en fait, c'était un peu en moi, quoi. Je pense, parce que du coup, par exemple, sur mon poids de corps, est-ce que je soulève en haltéro alors que je suis pas un haltérophile, ça prouve bien que voilà, j'ai des aptitudes que. Tes barres, du coup, là, tu pèses combien? Tu fais 80 kilos? Voilà, je suis à 80, ouais. Je dirais poids de forme, c'est 80, ouais. 81, poids de course, c'est à peu près le mieux. Hein. Sur un clean, combien? Pour 1m81. Sur un clean, tu vaux quoi? 140, 145 là? Sur un vrai clean, je pense que ouais, je peux aller chercher ouais, 145. Ouais. Si je descends, si je vais chercher bien en bas, si je fais 2-3 sessions avec Louis pour qu'il m'apprenne à bien cacher en bas, c'est bon. Mais sur le power, bah, si t'es un jour où t'es en forme, tu peux accrocher 35 en power? Ouais, 135. Ouais, t'as fait doubler à 130, ça pas trop longtemps. Doubler à 130, ouais, plusieurs doublés à 130. Donc, ouais, je l'ai fait toutes les semaines, 2 fois par semaine, les doublés à 130. Donc là, j'espère pouvoir accrocher un peu plus un jour en forme. Ouais, faire les 140, donc c'est le. Et tiens, la bête noire de plein de crossfitters, parce qu'ils travaillent sur toutes les filières, c'est le squat. Donc tu vois plein de crossfitters qui n'ont pas des squats impressionnants. D'ailleurs, un squat impressionnant en crossfit, c'est pas la même chose qu'un squat impressionnant en altéro. 200 squats en altéro, c'est pas monstrueux, alors qu'en crossfit, t'en as pas beaucoup. Même à haut niveau en France, qui ont 200 squats. Et toi, alors que t'es pas sur ce sport-là, ton sport c'est le vélo, tu t'approches de 180, 185 en squat. Ouais, j'ai fait 100. Et t'as pas une morpho pour le squat. Alors je vais t'expliquer la journée que j'ai fait 180. J'ai fait donc ma séance d'altéro normale avec tous mes cleans, 135 et tout. Et à la fin de cette séance, bah en fait c'était une séance où mon coach m'a dit écoute, tu vas à la salle, tu fais ce que tu veux. Ouais, t'étais là, c'était il y a deux semaines. Et moi, quand mon coach il me dit va te faire plaisir, bah moi je mets lourd. Hein, c'est du max. Voilà, exactement. Donc j'ai fait un max en. C'est bizarre, j'ai jamais vu personne faire ça. J'ai fait un max en clean et après, ensuite j'ai commencé à faire m'échauffer en squat pour m'amuser. T'as senti le jus là? J'ai fait une à 170, c'était hyper rapide, j'étais là, oh, j'y vais, tu vois. J'ai mis 180 direct après 170. Et c'est passé avec les genoux qui rentrent un peu sur la partie en bas, mais c'était pas dégueu. Donc j'étais content. Vois, 180 squats, ça fait rêver des mecs qui s'entraînent que pour ça. Toi, c'est ta prépa qui est secondaire pour le vélo et t'arrives à accrocher un truc. Bon, donc, comme tu dis, t'as la part génétique, les fibres dans les jambes qui te permettent d'être explosif, et bon, t'es quand même relativement longiligne. Ouais, surtout que le squat, j'ai galéré vraiment longtemps, puis je faisais pas du squat. Après, tu t'es pas éparpillé, parce que je pense que c'est ce qui est. C'est pas éparpillé, le truc aussi, c'est qu'il squatte beaucoup et fréquemment. Voilà. Parce que beaucoup de personnes, ils cherchent la clé avec des programmes de squat ou autre, mais ce qui marche aussi avec Eddie, c'est qu'il squatte fréquemment, avec un gros volume, avec une grosse intensité, et ça fonctionne. Oui, de toute façon, c'est le problème de beaucoup de gens en crossfit, c'est que c'est éparpillé. Et là, encore une fois, on en parle à chaque fois, j'ai l'impression, mais la périodisation, tout simplement. Ah, bah, grave, c'est périodisé, parce que comme tu as dit, ta prépa, c'est de septembre à. Tu m'as dit quoi? T'as dit quel mois? De septembre à décembre, c'est vraiment prépa. Voilà. Donc là, tu vois, c'est ta fourchette dans l'année où tu sais. Fais ton foncier. Alors que tu vas voir, tu peux aller dans n'importe quelle salle de crossfit, et je parle pas de ceux qui suivent les cours, mais tu prends un crossfitter.
intermédiaire, moyen, plus. Tu demandes si c'est facile de la prépa. Alors après, il va te dire qu'il se sert, tu sais quand même. Tu sais qu'à telle date, tu dois être prêt. Ouais, tout ce qui arrive en amont, c'est pour faut faire du SP à fond, quoi, si tu veux progresser sur un truc. Et d'ailleurs, moi, j'ai un truc à raconter, c'est de septembre à décembre l'année dernière, j'avais un petit problème au poignet, je pouvais pas faire d'épaulé. Donc pendant 4 mois, j'ai pas fait du tout d'haltéro et je suis revenu en décembre après avoir fait un cycle squat soulevé de terre. Je suis revenu en haltéro et j'étais beaucoup plus fort. Donc c'est vrai que des fois, mettre un mouvement de côté et essayer de justement laisser le cerveau se reposer et faire autre chose et justement travailler. Pour côté la surcompensation en termes nerveux. Et ça fait vraiment du bien et on vend. Dans le CrossFit, ils vendent énormément le sport CrossFit comme étant un outil de préparation physique. Mais toi, c'est pas quelque chose qui va t'intéresser justement par le côté gymnastique et cardio qui n'y aura aucun transfert à ton sport. Ouais, moi, c'est les fibres. Toi, ta prépa physique, ça va être de la force, de l'haltéro, du travail explosif, de saut, de pliométrie. De toute façon, je suis jamais soufflé dans les entraînements quasiment. Je fais 2-3 reps à part en prépa. En prépa, je peux monter jusqu'à 10-12 reps normal. Mais après, voilà, je suis jamais soufflé quasiment dans les entraînements, à part quand je fais les lactiques sur le rouleau ou des tours complets sur la piste. Mais de toute façon, oui, en 30-40 secondes, t'as pas le temps de travailler sur le cardio à fond. Quoi. Mais il y en a qui font beaucoup de vélo de route, mais moi dans ma prépa, j'essaie d'éviter quand même parce que. Et apparemment, ça marche bien vu ton niveau actuel. Ouais, en fait. Mais... Tu te situes où là mondialement? Là, du coup, mon meilleur résultat c'était 7ème mondial l'année dernière à Rockhill. Et là, on l'a pas dit, on a parlé de tes débuts, mais maintenant c'est 7ème mondial sur. Les championnats du monde Sur la Coupe du Monde en fait. La Coupe du Monde. Il y a combien de coureurs en Coupe du Monde à peu près qui se qualifient? Bah, il y a 150 pilotes qui sont présélectionnés dans chaque pays parce qu'en fait il faut savoir qu'il y a des étapes à passer en BMX. T'as la régionale, la nationale, donc t'as les gars qui doivent passer en région, qui doivent être bons en région pour passer au niveau France. Après, il y a le championnat de France, après le championnat d'Europe, après le championnat du monde, donc il faut passer toutes les étapes. Et surtout en plus, arriver à encaisser le volume parce que. T'en as, ils sont bons, mais en fait. Tu fais trois compètes, il y a trois compètes, après, t'as plus rien. Parce que c'est... Ouais, il faut tenir toute la saison, mais après, c'est vrai qu'on essaye de se focus uniquement sur les compètes qui comptent le plus, quoi. Après, je pense que quand t'es vraiment bon, t'as quand même un niveau, même si t'es pas en forme, t'es déjà très très bon, même sans être en forme, en fait. Donc, je pense que c'est le but, tu vois, d'être tellement bon que même quand t'es pas en forme, bah tu performes quand même. Exactement. Mais du coup, 17 ans, tu te dis, je deviens pro, à 18, même pas. Avant tes 18, tu te blesses. Je me dis putain, et par contre, 3 ans plus tard, à 21, t'es 7ème mondial. Mais je suis pas 7ème mondial sur le classement, mais mon meilleur résultat en Coupe du Monde c'était 7ème. Donc pour te situer, j'ai fait 2018, mon meilleur résultat c'était donc 2017, quart de finale. Même pas 8ème de finale, donc c'est top 64. Ensuite 2018, demi-finale, donc là je passe 2 étapes. Donc là top je passe 16. Le quart de finale et demi-finale. Donc là je passe à 18 ans, j'ai fait ma première demi-finale en Coupe du Monde. Et donc là c'était vraiment là on a commencé à se dire bon peut-être qu'il y a un truc à jouer parce que c'est enfin comme tu dis en fait c'est pas à 17 ans j'ai décidé d'être pro, c'est à 17 ans j'ai dit bon je vais essayer. Tu tentes de pas, tu peux pas te dire je vais réussir pour le vélo quoi. Mais ouais, c'est ça, c'est plutôt voilà, je vais m'investir dans ce sport et je vais vraiment essayer d'atteindre mon meilleur niveau. Est-ce que tu sais ce qui te manque pour passer de cette 7ème place que tu as fait à la Coupe du Monde au top mondial? Au top, je pense que c'est la persévérance, physique, tu vois. C'est les années d'entraînement qui me manquent un petit peu. Il y a la plupart des gars qui sont vraiment bons en France, ils ont 25-26. Moi j'ai un peu. T'as le temps, faut pas te péter, mais j'ai... t'as le temps. Ouais, il faut que voilà, je prenne mon temps comme j'ai toujours fait, tu vois. Étape par étape, chaque année je passais une étape ou deux étapes comme j'ai fait en 2018, du coup, mais j'ai toujours essayé de. Juste pour pas me frustrer, tu vois. Il y a des gens, ils essayent de se dire, ouais, là je vais tout démonter, je vais. Je vais essayer de faire un résultat qui est pas atteignable pour l'instant. Moi, j'ai toujours essayé de travailler sur mon côté mental en premier, tu vois, et vraiment faire ma meilleure performance possible, du coup, avec le physique que j'ai en ce moment. Parce que c'est aussi ce qu'il faut penser. Ça demande du recul déjà et de la maturité, mais ça demande aussi une bonne connaissance du sport. Parce que c'est soit ton coach ou toi, mais vous arrivez à vous situer, tu sais, où en fait, sur quelle fourchette t'es. Parce que je pense que les gens qui veulent faire des trop grosses performances, c'est. Aussi. Mais niveau prépa mental, en fait, je suis tout seul. Du coup, j'ai commencé à lire des livres à 18 ans. Pour te dire la relation que j'avais avec l'école, tous les livres qui te filent à l'école, bah, je les ai jamais lus. J'ai jamais lu un livre entier avant mes 18 ans. Et à 18 ans, j'ai commencé à m'intéresser à justement un peu cette vie que j'ai envie d'avoir, tu vois, bah, de m'intéresser à justement le business, comment dire, le développement personnel et tout ça.
J'ai commencé à 18 ans à vraiment lire des livres qui m'ont apporté. Tu pourrais recommander deux, trois bouquins qui t'ont vraiment impacté ou Ouais, donc pour ceux qui se demandent, le côté mental et la philosophie de vie, ça fait vraiment une grosse diff. Même si c'est vous faites de la muscu pour le fun. Ça est bon pour tout. Cet état d'esprit, voilà, il va vous servir dans votre vie de tous les jours, au travail. Il faut éviter de se plaindre, être toujours positif. Donc, du coup, pour les livres, je dirais, il y a. Le pouvoir du moment présent, donc ça c'est Eckhart Tolle ouais. Exactement, donc lui il est bien connu. Les quatre accords Toltec qui explique bien que la société c'est de mettre tout le monde dans le même entonnoir et tu peux en sortir. Et voilà, en fait on est créé, donc nos parents ont été formatés, nous on doit être formatés par la suite, à part si nos parents justement ils ont cette c'est son pouvoir du déterminisme, ils s'éveillent tu vois, et que eux ils arrivent à avoir un esprit vraiment ouvert, du coup toi t'as de la chance, t'as des parents qui t'aident. Voilà, c'est surtout. Ou qui te laissent, parce que pour le coup, mes parents ils m'ont pas aidé, ils m'ont laissé, c'est déjà beaucoup. C'est ouais, c'est cool, mais tu vois, t'as envie que tes parents ils t'aident, même si genre s'ils le font. Ça, ils m'ont aidé, ils m'ont prêté de l'argent pour faire ce truc-là. Donc, ce que je dirais, c'est qu'ils m'ont pas à un moment, je veux dire, c'est déjà beaucoup quand tes parents te mettent pas en tête que ça, ouais. c'est pas possible. Ouais, ils t'encouragent pas, mais par contre ils vont pas te. Que ce sont pas tes parents qui te brident. Voilà, ouais, c'est ça, c'est déjà. Ouais, voilà, du coup, pour revenir sur le. Sur le picotement dans le cou. Maxence Deadlift après, mon pote. Fuck toi, Panda T4. C4. Fuck toi, Panda T4. Tu connais pas? Non. C'est un altéro. Non, mais ça sonne bien. Moi je parle anglais aussi. Donc, c'est John North avant ses entraînements quand il s'énerve un peu. Donc ouais, donc Eckhart Tolle, le bouquin là que tu disais, excuse-moi. Ouais, pour revenir du coup sur les bouquins, ça c'est les deux que je conseille vraiment. Après, il y a du coup Eckhart Tolle a sorti un deuxième livre qui approfondit un peu le pouvoir du moment présent, qui justement, et je crois que c'est comment mettre en œuvre, comment appliquer le pouvoir oui, du moment que, présent. Parce que moi je l'ai lu, le moment présent c'est un petit peu ouou quoi. Non mais c'est plus dans le chou, ouais, t'es pas dans l'application. Il parle un peu du body pain et je sais plus quoi. Et que... Oui, il te dit qu'il après, fait, je comprends bien quand le quand principe. Quand tu laves les mains, il faut que tu. Voilà, exactement, quand tu fais la vaisselle, quand tu montes les marches, quand tu te laves les mains, il faut vraiment. Enfin, c'est assez marrant. Mais il y a des gens, ils n'arriveront jamais à le mettre en œuvre. Il y a des gens, ils sont bridés. Le deuxième bouquin, c'est plus sur l'application du concept. Voilà, c'est ça. Mais du coup, moi j'ai pas trop eu besoin de l'application du concept parce que j'ai compris tout de suite. Ouais, t'as réussi à t'imprégner du premier. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis, dans un sport de sensation forte, ça t'aide à trouver ce flow state facilement parce que sinon tu te pètes la gueule. Ouais, ouais. Et tu vois, j'ai mes petits rituels sur la grille, par exemple, t'en as, ils vont se concentrer, ils vont avoir des pensées et tout. Moi, sur la grille, c'est le départ. Moi, quand je suis sur la grille, on est à 8 mètres de haut, donc on passe de 0 à 65 km/h en moins de 1 seconde 5. Donc c'est, tu tombes, quoi. C'est plus rapide que les voitures de course, on va dire. Et du coup, moi, au lieu de me focaliser sur la piste et sur la course, je me focalise sur tout ce qu'il y a autour. Si on a des drapeaux, tu vois, il y a des drapeaux, ça bouge dans une ouais. manière assez. Tu peux méditer dessus en fait. Donc les arbres, quand il y a du vent, ou les drapeaux. Ou tu fais le vide quoi, tu fais vraiment le vide. Et moi, je fais un grand coup et tu t'imprègnes de l'eau. Mais t'es pas en train d'intellectualiser, ok, il y a lui là, il est en face, parce que j'ai vu tout à l'heure. Parce que c'est là où ton subconscient il rentre en scène, c'est quand toi tu dis à ton cerveau, ouais, tu fais pas attention à ce qu'il y a devant toi, tu vois. C'est comme quand tu vas pour un max, là, tu t'en fous de la barre, tu vois, t'en fous ce qu'il y a sur les poids qu'il y a sur la barre, t'y vas et tu soulèves, c'est tout. Et là, c'est un peu pareil. Tu es dans un état second, tu es en train de réfléchir. C'est un état de transe. Et justement, tu vois ce qu'il dit dans son livre de faire attention à chaque marche que tu montes. Nous, on a des marches à monter avant la butte. Et chaque marche, moi, c'est de la méditation, quoi. C'est tellement fort. Rien que d'en parler, tu vois. Tu quittes ton cerveau et t'es uniquement dans la sensation à partir du moment où. Ouais, exactement. Mais tu sais, tu te sens léger et tout. T'as l'impression d'avoir beaucoup plus de force. C'est assez marrant comme. Et cette sensation-là, quand t'arrives à l'avoir une fois, t'as envie de l'avoir tout le temps. T'arrives à le retranscrire sur ta prépa ou autre, parce que je sais qu'à chaque fois, tu montes ah ouais, la musique, ouais, tu c'est te mets clair, aussi. Ouais, ouais. Quand t'as tes barres en altéro ou en squat, t'arrives non, aussi à. Non, je te dis, moi, avant d'aller justement pour un max à la salle, j'ai des frissons partout. T'as une force intérieure, c'est le calme et. Parce que les gens qui ne font pas sport ont du mal à comprendre. Le calme et la force. Et c'est très dur de leur expliquer pourquoi tu fais du sport quand t'as ces sensations. Ouais, après, je pense que là, les gens qui nous regardent, pour le coup, ils ressentent tous la même chose. On a un public qui, quand même, s'entraîne beaucoup. Ouais, bon, on doit passer notre temps à leur dire de ralentir, justement, mais, c'est trop addict à la sensation. De haut niveau, je pense que quand t'arrives sur une barre pour un record, il y a un moment, le cerveau il déconnecte et tout le monde a cette sensation ouais. de. Après, comme Marin il a dit sur une de ses vidéos, voilà, arriver sur la barre bien concentré, bien détendu au niveau mental. Sans t'énerver, ça marche beaucoup mieux que de s'énerver avant. T'as vu les deux derniers Max en squat de Marin à la salle Ouais, il est concentré, il a sa musique qui marche bien et.
Et tu sens, il y a des émotions à l'intérieur, donc c'est ça ce qui marche aussi. Là, c'est la musique pour sa maman. Hein, ouais, ça c'est. Puis quand tu m'en as parlé, du coup, j'ai compris, j'étais là, oh, c'est un truc de fou. Quoi. Comment tu te mets dans un état second grâce à ça? Non, mais c'est juste énorme. Et du coup, ouais, pour revenir un peu sur la prépa physique, c'est quoi un peu comment. Alors, en pré-saison, hors saison, en saison, un peu comment tu t'entraînes par rapport aux entraînements de vélo et aux entraînements un peu prépa? Et à quoi consiste un peu les entraînements de prépa? On rentre juste un peu plus dans le détail. On a déjà un peu survolé, mais. Ouais. Du coup, alors septembre-décembre, comme je dis, c'est du foncier un peu. Bon là, à cause du corona, du coup, on a la saison de septembre à décembre. Donc là, je fais la prépa là et j'ai fait 10 mois de prépa là. Ça fait 10 mois qu'on se prépare. Tu veux rouler là, ça y est. Ah ouais là, mais c'est tombé, c'est horrible. Et du coup, voilà, normalement c'est septembre-décembre foncier. Donc là, on fait beaucoup de sprints. Donc d'ailleurs, l'entraînement qu'on a nous, ça ressemble un petit peu aux gens qui font du vélodrome. Donc, c'est Grégory Boget, tout ça, les mecs qui font bon. Les mecs qui ont des cannes comme ça. Ouais, les mecs qui font des gros Benjamin Quint, hashtag. Ouais, ça ressemble un peu à ça. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. En saison après, donc à partir de janvier, on commence à mettre un peu plus d'explosivité. Donc, pour moi, il y a beaucoup d'altéro, il y a beaucoup de mouvements rapides. On a un peu moins de poids lourd sur les mouvements classiques. Après, par contre, on fait par exemple du concentrique. Donc ça, on met la barre sur le rack. Tu pars de la portion basse, c'est pas unique. Exactement, j'ai juste la montée sur et mes jambes sont à 90 degrés. Donc là, je mets 250 et je saute avec la barre. Donc c'est... T'as un respect des principes de l'entraînement, bah, contrairement à certaines prog. Ouais. Ouais, mais c'est... Et du coup, bah, en semaine de course, on se repose vachement quand même. On a la petite muscu mardi, mercredi, max quoi. Fait du jus, comme on dit. Et après ça, on tourne les jambes, on fait des petites activations, des petits sprints. Je pense qu'il y en a, il y a certains des gens qui vont regarder la vidéo qui étaient au courant, mais il y en a d'autres pas du tout. L'haltérophilie, c'est un sport qui était il y a 15-20 ans quasiment mort. Le crossfit a redoré l'image de l'haltérophilie, donc les gens pensent que l'haltérophilie est uniquement soit haltéro pour le crossfit, et se rendent pas forcément compte que tu as beaucoup de sports qui utilisent l'haltéro comme un outil. Donc toi, tu as ton exemple avec le BMX. Ouais, il y a les mecs qui font justement du vélo de piste qui font de l'haltéro aussi. T'as tous les lanceurs en athlétisme qui font de l'haltéro. Footballeur américain. Et en fait, petit à petit, tu te rends compte que le squat lourd, l'haltérophilie, c'est les meilleurs outils pour travailler l'explosivité, la force, la puissance. Et du coup, bah, ça fait mal à certains functional coach. Après, hyper awake. Le seul problème avec notre sport à nous, c'est qu'on se blesse tellement. Enfin, la plupart, moi, je touche du bois, j'ai vraiment de la chance. J'ai pas eu de grosses blessures, mais j'ai une bonne mobilité partout. Que tu mais peux vite être bridé par des... Mais voilà, la plupart des gars, ils sont tous fait des fractures au poignet, ils ont pas bien récupéré leur mobilité, ils ont pas fait les bons exercices justement pour revenir à 100%. Mais du coup, la plupart sont bridés quoi, ils peuvent pas le faire, donc... Après nous, on a regardé tout à l'heure des vidéos avec lui de footballeurs américains qui font de la prépa, alors il y a pas beaucoup de clics qui sont magnifiques, mais ça j'adore ça. Les mecs, ils y vont et... Et c'est là où tu te rends compte aussi que, heureusement que la mentalité évolue, et ça c'est en partie grâce au crossfit qui incorpore l'haltérophilie aussi, ouais. Mais de plus en plus tu te rends compte que tous les coachs qui te disent on va faire du travail avec élastique, et on va faire un truc sur un coussin de proprio, et c'est ça qui va faire que tu vas devenir explosif, vif et autre. Bah, je pense qu'il y a, voilà, il y a un équilibre de toutes ces choses-là qui t'apportent en fait. Mais tu ne peux pas faire trop d'un truc, tu es obligé d'avoir une bonne. Toi, la base de ta prépa, c'est le squat et le clean. Pour faire un parallèle là. Résumé. Ouais, c'est squat, clean, soulevé de terre. Là, je commence le jerk, là, même si c'est très dégueulasse, je commence le jerk. Pour faire un parallèle, alors tu regarderas si ça t'intéresse. Il y a l'ancien coach de Kobe Bryant, du coup, à son âme, et Michael Jordan. Il y a des vidéos lui, des interviews sur YouTube, je suis curieux, j'ai regardé. Moi j'ai tout vu aussi. Et en fait, c'est pas dans The Last Dance. Non, c'est un truc séparé, ouais. J'ai vu. Et en fait, il explique que quand il a récupéré Kobe, et Jordan d'ailleurs, surtout Kobe, en gros, il est arrivé et Kobe il faisait que des trucs avec des élastiques et des machins. Il lui a dit, en fait, il est où le iron en fait dans ton entraînement? Il est où le métal là? Ouais, c'est clair. Parce que si tu fais que sauter mais que t'as pas la force pour, tu te dis. Voilà. Au final, le gars il a une seconde vie grâce à un gars qui arrive dans sa vie, qui l'a influencé de la bonne manière. Surtout que Kobe lui, pareil, il a été drafté hyper jeune. Il a en gros, par rapport à beaucoup de joueurs d'NBA, il a un temps de pratique à haut niveau qui fait qu'il était flingué et il a dû se récupérer là-dessus. Donc, quoi. Même pour du basket, quoi. Il faut faire du squat. Il faisait que des excentriques au squat. Tu vois, j'ai partagé un dunker pro il y a tout à l'heure. Trop. Oh la détente. 1m22 avec élan, magnifique pour Vertech. Mais le mec, dans sa prépa, il y a beaucoup de squats. Et tu vois, il a à peu près le même profil que toi. Je pense qu'il peut faire un épaulé debout, s'approcher des 130, un peu moins que toi. Ouais, squat, je l'ai vu sur 175-180. Et en fait, t'as plein de personnes qui sont pas prêtes à passer par là parce qu'ils se disent c'est du travail, c'est long, c'est dur. Et surtout, je vais paraître ridicule par rapport à certains qui ont déjà les chiffres.
alors qu'en fait c'est la base. Alors que quand tu fais un truc à élastique, t'as l'impression de pouvoir faire directement ce que font les pros avec élastique. Alors que quand tu mets du poids sur une barre, et bah au début, tu sais pas faire un squat complet à 60, ça fait mal à l'ego. De toute façon, pour moi, si tu veux développer la force et l'explosivité, c'est l'haltéro. Si tu veux développer la coordination, le contrôle, tu fais de la gym. En gros, pour moi, tu restes à stress. Les deux se recoupent. Hein. Moi, les gymnastes que j'ai en haltéro sont très bons. Et toi, les haltéros que tu vois débarquer, tu dis fais-moi un salto, le mec il décolle, et tu dis bon, il n'y a plus rien à faire. Fais ça avec les jambes, mais c'est bon, tu l'as. D'ailleurs, le confinement, en parlant d'ego, le confinement, moi, il m'a vraiment aidé parce que, tu sais, au final, en allant dans les salles tout le temps avec du monde et tout, t'as un peu cette attitude où t'aimes bien. Tu sais, c'est naturel, quoi. T'aimes bien mettre plus lourd, t'aimes bien impressionner, t'aimes bien montrer que t'es fort, machin. Faire du show. Du show, tu vois. Et au final, je me rendais pas forcément compte que j'étais comme ça, mais j'ai accepté que j'étais comme ça. Et pendant le confinement, je me suis retrouvé tout seul chez moi. Et là, tu dis, bon, moi j'ai des pourcentages, je les respecte. Allez. Et puis, être tout seul, tu vois, pendant 2 mois là, et ben, je reviens à la salle et je m'en fous de tout ce que les gens pensent autour de moi. Et c'est tellement mieux en fait. Genre, je trouve que des fois, tu vois, t'as un jour où t'es un peu moins bien et au lieu de te dire, vas-y, je redescends parce que là, ça va pas, tu vois. Bah, tu continues à monter, c'est comme ça que tu te blesses en fait. C'est avec ton ego des fois. Après ça dépend de ton environnement aussi. Si tu débarques dans une salle et que demain tu viens faire du snatch et qu'à côté de toi t'as mangé un mannequin qui fait du snatch à 150 et Rodolphe à 170, tu dis bon, 115 ou 120, de toute façon tout le monde s'en fout. T'as l'autre à côté qui s'est échauffé tout à l'heure avec, il discutait pendant qu'il faisait sa barre. Donc tout le monde s'en tape. C'est clair. Non, mais surtout justement, ou alors tu peux voir aussi dans l'autre sens, tu peux aller dans une salle où il y a Benjamin Hennequin et Rodon et voir que Benjamin Hennequin il est venu, il a juste fait des kettlebell swing et des soumettés avec un kettlebell de 32 et rentré chez lui. Ouais. Et tu dis, bah, en fait, faut pas faire le. Ça sert à rien de faire le malin. Parce que je l'ai déjà vu faire ça. Hein. Il est venu, il s'est entraîné, et c'était faire circuler le sang, revoir quelques placements, bouger quoi. Ah, même Redon, hein, tu peux le voir débarquer, c'est une petite séance, il n'y en a rien à taper de ce que les autres regardent ou autre. Le show, comme tu dis, c'est en compétition, basta. Du coup, depuis que tu m'envoies les exercices pour le sacriliac, là, je fais des petites séances le soir en fait. Donc, avant manger, vers 19h. Je me remets une petite activation au niveau des lombaires, abdos, obliques. Ouais, sans objectif de performance. C'est vraiment là pour réactiver les muscles et juste avoir une séance en plus pour justement prendre de cette partie-là, tu vois, où j'avais un petit peu de faiblesse. Et du coup, ça marche vraiment bien. Ça va mieux, t'as moins mal au dos. Ouais, c'est cool de ouf. C'est cool. Donc du coup, on a un peu tout vu. Maintenant, on va parler objectifs. C'est quoi les objectifs? Court terme, moyen terme, long terme. On peut faire. Court terme, c'est combien de temps? Moi, je vais. C'est la saison. Court terme, pour moi, c'est la saison. Moyen terme, c'est 2-3-4 ans. Et puis. Et après, c'est life. C'est des trucs un peu qui te font rêver. Devenir faire arriver, débarquer, faire un concert de guitare en arrivant en wheeling en vélo. Juste un truc dont on n'a pas parlé du tout. Je sais pas si ça vous intéresse d'en parler rapidement. Tu dis que t'es pro, du coup. Est-ce que tu peux dire quelles sont tes sources de revenus? Comment tu vis du vélo justement? Ah oui, c'est intéressant, ça qu'on J'ai de la chance du coup, j'ai vraiment beaucoup d'aide de partenaires privés. Donc c'est des sponsors. Je vis qu'avec des sponsors. Donc, tu peux les donner. Marque de vélo Sun, pièce de BMX Box, site internet Alltricks. Je suis pas sponsor par Nike, donc on cache. Mais j'ai plusieurs sponsors, la brasserie Mira. T'as toujours une laverie ou une brasserie dans le lot. Ouais, la petite brasserie, même si j'en bois très rarement, mais heureusement ils ont sorti un coca et une petite limonade. Ça fait du bien. Ça, c'est la détente après. Mais ouais. Et les courses te font gagner de l'argent? Ouais, les courses, en France. Mais ça dépend de ta place déjà, j'imagine, à la course. En France, pour la gagne, t'as 1000 euros, donc c'est pas grand chose. Oui. Ça ressemble un peu à l'haltérophilie, je pense. Si tu compares un peu, c'est pas tes performances en compétition directement qui te ramènent de l'argent. Après, ça aide, tu vois, quand on a des courses tous les week-ends, si tu fais podium tous les 4 week-ends d'affilée, tu peux vite rentrer 2, 3 000, 4 000. Oui. Donc ça peut aussi vite monter en pleine saison, quoi. Mais sinon, tu vis sans sponsor, tu vis pas, donc. J'ai vraiment de la chance avec mon père qui est un peu ma moitié mon manager. On avait des contacts, du coup, vu qu'il a beaucoup de gens qui jouaient avant. On avait des contacts et vu que j'ai pris un peu de niveau, tout s'est un peu goupillé et là ça fait que monter depuis. Enfin, mes résultats et mon niveau montent avec les sponsors, donc je commence vraiment à pouvoir en vivre vraiment. Quoi. T'as parlé de la musique, mais tu fais aussi beaucoup de photos et vidéos. Ouais, du coup, j'ai. Tu gagnes de l'argent là-dessus, c'est juste amateur pour l'instant et j'aime bien. Je pense que dans le concept là, il faut donner avant de recevoir, tu vois. Je pense qu'il faut pas faire le mec.
Il faut pas faire le mec genre ouais j'ai une caméra de ouf genre vas-y je vais te faire payer une blinde pour te faire des photos. Ouais, pour l'instant tu fais de la photo. Moi je fais de la photo pour l'instant. C'est ce que j'ai fait avec du coup Gaël Lefebvre, je sais pas si tu connais. C'est sûr. Il fait de la prog aussi donc lui j'ai fait un petit shooting avec lui et je lui ai dit voilà tu sais quoi on prend des photos. Si t'aimes bien tu me files ce que tu veux. Et au final il m'a filé 50 balles pour le shooting et c'était super cool tu vois. Mais je me vois pas, même si les photos que je fais du coup avec la caméra, avec le matos que j'ai, ça, c'est cool. Je me vois pas aller vers les gens pour l'instant. Non, mais sachant, dire, ouais, sachant que de toute façon, à partir du moment où tu seras assez bon là-dedans, c'est les gens qui vont venir vers toi. Et c'est à ce oui, c'est clair. Mais c'est pour ça, comme tu dis, je dois donner avant de recevoir, je dois me faire une communauté, je dois déjà. Les gens doivent savoir que je fais de la photo. Et, Dans tout ce qui est audiovisuel, enfin audiovisuel, photo et vidéo, ça fonctionne de plus en plus comme ça. Ouais, même les coaching, mecs, il faut coacher les gens. Les mecs se font un projet perso. Montre en fait ce qu'ils peuvent apporter et à partir du moment où les mecs sont assez bons, eh ben, il y a les retombées qui arrivent derrière. Je vais reparler de ce qu'on a dit en réunion tout à l'heure avec Louis. Il y a un mec qui s'appelle Tyler, je sais plus quoi, c'est un truc, c'est un youtubeur. Ouais, c'est un youtubeur, enfin c'est pas un youtubeur en fait, c'est un mec qui fait tout ce qui est conseiller en séduction, management, leadership, etc. Ça s'appelle RSD Tyler, voilà. RSD Tyler, pour aller voir. Le mec, je crois qu'il y a plus de 1000 vidéos sur sa chaîne. Il y a des séminaires entiers qui font 2h30, 3h30. Le mec, il vit à Beverly, il a une énorme baraque, etc. Donc il fait de l'argent. Et en fait, c'est parce que, et lui, c'est le premier à dire, il faut donner avant le soir, il faut offrir du contenu pour donner envie aux gens. Et c'est, pour moi, ça marche. Ça s'applique à tous les business, à tous les. Ouais, il a commencé gratos, du coup, ces trucs. Bah, je pense qu'il a, ouais, je pense qu'il a commencé. Ouais, c'est le mec, il a les gens sorti, pas, de façon, il a sorti 300 vidéos YouTube avant que ça monte. Moi, j'ai quand même une petite communauté avec, du coup, mon sport. Mais c'est vrai que tu peux pas. Même avec la communauté que j'ai, et même si je suis pas inconnu, tu vois, bah tu peux pas arriver dans un monde où tu fais pas partie de ce monde-là. Et tu débarques et tu dis voilà combien je coûte, et les gens ils disent bah t'es qui en fait. Bah ouais, c'est clair. Mais moi, tu vois, je pense que le fait de dire je te prends en photo si ça te plaît, tu me files un truc juste pour que ça soit rentable pour moi parce que j'ai investi dans une caméra, tu vois, et tout. Donc si tu veux m'aider, tu m'aides, tu vois. Mais d'ailleurs, tu vois, il y a beaucoup de marques, je bifurque un peu, vous allez vite. T'as beaucoup de marques qui proposent à des influenceurs ou autres des partenariats maintenant, et moi, ma copine qui est là-dedans, je sais que elle, ce qui fonctionne le mieux, c'est que tu as des marques qui viennent la voir, qui disent voilà ce qu'on t'offre, et tu fais ce que tu veux au niveau du contenu que tu proposes. Oui. Et à chaque fois, elle a tendance à beaucoup plus communiquer, beaucoup plus mettre en avant ces marques qui lui disent voilà, on te propose le truc, si tu l'aimes, tu fais des trucs, que les autres qui disent bah alors on va te fournir ça, et en échange, tu nous fais deux posts, une vidéo, tu nous mets sur des trucs. Les marques là, si vous nous regardez, évitez de. C'est du donnant-donnant et c'est 50-50. Évitez de faire du 70-30 parce que c'est pas très intéressant. Du coup, c'est vrai que de toute façon, un bon athlète, de toute façon, il va vous le rendre d'une bonne manière parce que voilà, quand t'es athlète et que tu fais que ça, tu sais que t'es que par des particuliers comme ça. T'es un véritable vecteur d'opinion, les gens qui t'aiment et ils t'apprécient. Ouais, c'est clair. Puis ça doit être naturel, tu vois, ça doit pas être du truc forcé en fait. Et je pense que c'est naturel, c'est le mieux. Pour revenir sur ce que tu disais, oui, ils ont fait une expérience sociale dans un restaurant. Ils ont offert la bouffe à plein de gens et ils leur ont dit à la fin si vous voulez donner de l'argent, si vous voulez payer, vous donnez. Ils ont calculé le prix. Bien sûr, il y avait le prix de base qu'ils auraient dû payer et la grande majorité des gens donnent beaucoup plus qu'en fait que le prix qu'ils auraient dû payer. Donc tu vois, comme quoi ça marche aussi. Et du coup, je renvoie pas sur le dernier sujet, je reviens sur un autre truc que tu as touché un petit peu. Tu as parlé de j'en bois pas trop des bières. Non, mais je trouve ça intéressant parce que tu es dans une position. On va pas se mentir, c'est pas toujours facile. T'as 21 ans. Moi, je vais commencer à boire, à picoler, à faire la fête. Je faisais déjà la fête, mais vraiment à picoler. Bien. Super tard. Non, mais je te dis parce que j'ai un peu compensé. J'ai commencé moi à 25-26. Avant, je buvais pas. Mais 19 et 25 ans, j'ai pas touché une goutte. Mais ça se voit, tu commences à être ridé. Ouais. Attaqué. Et quand j'ai commencé, bah, tu vois, j'ai senti qu'en fait, il y avait un manque à combler. Et parce que en fait, c'est n'importe qui, t'as besoin d'avoir une vie sociale, etc. Alors, est-ce que tu peux en parler un petit peu? Parce que je pense que c'est pas toujours facile. Les gens, ils voient que le bon côté, tu vois, de ta vie d'athlète de haut niveau. Tiens, juste avant que tu répondes, tu vois, par exemple, Marin ou moi, bon, toi, tu buvais pas du tout en école de commerce. Ouais. Dans l'école de commerce, c'est réputé pour la boisson ou autre. Et Marin ou moi, on était très très loin d'être athlète de haut niveau, d'avoir le niveau que tu avais. Mais il y avait 3, 4, 5 soirs par semaine où on devait faire le choix. En fait, tous les copains partaient au bar. Et nous, on allait dans notre salle toute pourrie dans un préfabriqué pour aller soulever des barres. Moi, je buvais pas, mais c'est pas arrivé. Toi, t'étais moins tenté parce que tu buvais pas et c'était un choix à faire. Et toi, bah, tu dois faire face à ça, là, à 21 ans, tu dois avoir plein de potes qui ont pas du tout la même victoire. Surtout qu'en plus, tu sociabilises moins, du coup, parce que comme t'es pas avec... je dis pas qu'il y a pas de gens dans le vélo,
Mais tu vois, quand t'es dans une école, t'as accès à un groupe de 400 personnes, sociabilise, il y a des soirées. Alors quand t'es athlète de haut niveau, bah, passes beaucoup de temps tout seul au final, ou beaucoup de temps avec les mêmes personnes, etc. Donc comment tu gères ça? Parce que ça doit pas toujours être forcément évident. Bah, moi, c'est simple, j'ai fait un choix, tu vois. Comme je vous en parlais tout à l'heure, le choix que j'ai fait à 17 ans, bah, c'était le choix aussi. Enfin, j'ai quitté l'école aussi parce que voilà. Je pense que le groupe de gens qui étaient dans ma classe, on est arrivé en seconde, il n'y a personne qui fumait, il n'y a personne qui faisait n'importe quoi. En première, on arrive, c'est tous des camés et voilà, ça m'a. Ouais, tu... Ça m'a un peu énervé. Donc, quand t'as 17 ans, tu crois que les gens sont des camés, puis arrête, t'arrives en école de commerce, tu dis là c'est des camés, après, tu sors d'école de commerce, tu vois les trentenaires camés, tu dis là c'est encore plus des camés. Franchement, à chaque fois je suis surpris du niveau. Ouais, mais du coup, voilà, pour parler de ça, j'ai pas forcément de. Je pense que ma vie sociale. T'as jamais été tenté par cette voie-là? Non, pas du tout. Mais c'est naturel pour moi. En fait, tu dis justement, cette voie-là, c'est la voie normale et c'est celle dont t'as voulu te détacher depuis tes 17 ans. Donc mais du coup, pour la vie sociale, tu vois, si je rencontre des gens et que je passe une soirée où je rencontre des gens que je connais pas, bah ça se passe super bien, tu vois. Je suis ouvert d'esprit et tout, il n'y a pas de souci. Mais par contre, j'ai pas beaucoup de gens dans mon cercle, tu vois. Parce que tu vas voir quand tu fréquentes des gens qui vont penser comme toi sur la plupart des sujets. Oui, c'est clair. L'ambiance ici est juste énorme, quoi. Tu vois que les mecs ils sont bien impliqués dans ce qu'ils font et ça donne envie, quoi. C'est pour ça que, comme mon coach l'a dit, quand je viens ici, tout transforme. Ouais, je suis vraiment motivé de fou, quoi. Donc, et pour revenir du coup sur la vie sociale, à 21 ans, voilà, j'ai dû sortir. Je dois sortir 3 fois dans l'année, quoi. Pour te donner une petite idée, c'est peut-être mon anniv et peut-être une fois comme ça, mais. Et quand tu sors, tu picoles ou justement toujours focus entraînement? Bah, tu dis, en fait, je fais une soirée de merde, ça va impacter 3 jours d'entraînement, donc j'ai pas. Mon anniv, souvent, bah, j'ai pas beaucoup de potes et j'ai un ou deux potes. Mes potes qui viennent d'Angleterre, ils viennent. Donc par exemple, pas du vélo du coup. Ouais, c'est ça, c'est des potes d'enfance, donc. Moi, j'ai plutôt créé des liens avec des gens qui étaient d'autres pays parce que comme je t'ai dit, moi, dans mon école, il n'y a jamais personne qui m'a trop attiré. Et dès que j'ai commencé à traîner avec des gens, dès que tu commences à traîner avec des gens, tu deviens influençable vachement. Bon, après, ça dépend de toi, mais moi, j'ai préféré me barrer plutôt que de voir si j'étais influençable ou pas, en fait. Et du coup, on l'est tous. C'est juste que tu t'es dit, je vais me faire influencer par les personnes qui m'intéressent. Non, mais attends, moi, ce que j'aime, c'est de parler avec des gens qui ont de l'expérience, qui ont créé leur business, tu vois, des gens qui peuvent vraiment m'apporter et même à 18 ans, j'avais pas envie de passer du temps avec les gens de mon âge. Ouais. Après, t'as des gens de mon âge qui sont ouverts d'esprit comme moi, mais c'est très très rare. Je te dis, j'ai passé vraiment des super moments à parler avec des gens de 40-50 ans qui te racontent leur histoire, tu t'en apprennes et t'as l'impression de sortir meilleur de cette relation. C'est clair, ouais. Moi je m'entoure vraiment de personnes qui peuvent m'apporter sur ce point-là. J'ai envie de comprendre, j'ai envie d'avoir toutes les clés assez tôt, tu vois, pour donc essayer du coup, de... ça a pas été tant une frustration que ça, Ah non, c'est un plaisir pour moi, c'est naturel j'ai pas l'impression de rater quelque chose. En tout cas, ça paraît naturel, enfin, ça paraît cohérent avec tout ce que tu me dis, t'es passionné de développement. Ça me paraissait naturel aussi, honnêtement, si c'était à refaire, je ne picolerais pas en école, je le referais exactement pareil. C'est juste qu'à un moment, tu vois, C'est Jay-Z qui ça, j'aime bien le truc, il dit en fait dans la vie t'as plein de voitures, plein de véhicules et il y a une véhicule qui va de A à B, mais le véhicule qui va de A à B ne va pas de B à C, il faut descendre et changer. Et moi en fait la philosophie que j'avais à ce moment là, je suis content d'avoir vécu, mais il y a un moment j'ai senti qu'en fait j'avais un besoin, pas de découvrir parce que je buvais quand j'étais très très jeune, Lillois oblige à 13 ans première cuite. Attention, t'es en train de descendre ton image là. Non, mais, et en fait si tu veux, j'ai senti que par contre ben forcément j'avais un besoin de découvrir un truc que j'avais pas beaucoup fait. C'est ça dans ce sens là que je veux dire, c'est que... Oui, ouais, mais tu regrettes pas d'avoir fait l'année. Je regrette pas d'avoir fait non plus, mais du coup je me dis ouais, c'était enfoui en moi aussi, tu vois. Alors maintenant bon, j'ai fait mes 2 ans un peu où j'ai... Tu t'es bien rattrapé. Je me suis rattrapé et maintenant c'est bon, c'est redevenu à la baseline où j'ai pas envie en fait. Mais voilà, c'est pour ça. Bah, les saltos et la gueule de bois, ça va pas ensemble. Bah, tu sais quoi, franchement, justement, quand j'avais 17 ans, je buvais, je me rappelle, j'allais à la gym tous les dimanches. J'avais une salle de gym où c'était open gym, du coup. Au Luc à Lille. Et je me mettais, bon, j'avais 17 ans, donc je me mettais des caisses de mecs de 17 ans. Donc je devais prendre 2 bières et j'étais patatrac, tu vois. mais j'allais à la salle le lendemain, ça me faisait rien. Ouais. Là, je prends une pauvre d'SP et je me couche un peu tard. Je me couche à 1 heure plus tard, je suis explosif. aujourd'hui. Moi, je suis pas sur mes saltos. Non, mais c'est clair, de toute façon, je pense que dans la vie, pour revenir là-dessus, les gens qui vont très très haut ou les gens qui ont juste du succès sur le côté sportif, performance,
c'est des gens qui à un moment ont dû mettre de côté des choses qui sont intéressantes à notre âge, tu vois, genre c'est cool de sortir et tout, de passer du temps avec des gens, d'avoir tu sais, juste d'avoir un peu de fun et de lâcher un peu cette pression constante, surtout en tant qu'athlète, du coup j'ai la musique qui est connectée, c'est de la pression assez souvent, donc mais tu vois, moi à la place de sortir, parce que c'est vrai que je mets du temps à m'en remettre, quoi. Quand je sors, je mets 3 jours à m'en remettre et je me sens pas bien quand je retourne à l'entraînement. Moi, je préfère plutôt faire une petite méditation, tu vois, essayer de vraiment me relaxer. Ou même, tu vois, aller boire un Monaco, par exemple. Ça, tu vois, ça, je le fais une fois de temps en temps et c'est cool, tu vois. C'est un petit plaisir. Moquez-moi des Monaco, c'est ce que je bois maintenant. Monaco, c'est super, faut rester Monaco. J'ai une théorie, vous n'allez peut-être pas être d'accord avec moi. C'est qu'en fait, quand tu es sportif, tu as un spectre des ressentis par rapport à ta physiologie quand tu te sens fort, qui est beaucoup plus large que quelqu'un qui ne fait pas de sport ou qui est sédentaire, parce qu'en fait, lui, il se sent comme ça ou comme ça, alors que toi, tu te sens là. Et du coup, le fait d'avoir ce répertoire sensoriel là, quand tu déconnes, tu le sens sur l'aiguille que t'es pas à fond, que t'es là. Et ça te fait chier en fait. Ça te fait chier, tu te dis putain, si j'avais fait ça. Bah, quand t'es en économie d'énergie tout le temps, t'es en économie d'énergie de toute façon. Oui, quand t'as l'habitude d'être en pleine forme tout le temps. Mais je pense que les gens, à l'inverse, comme tu dis, sédentaires ou autres, ils sont pas capables d'avoir un état de forme que toi tu peux avoir sur une période. Parce que leur corps les bride. Heureusement, je vais pas te faire insulter parce que la plupart des gens qui regardent pensent sans doute comme moi parce qu'ils sont de ce côté-là. Bah, tu es simplement désensibilisé en fait. Ouais, t'es désensibilisé, tu sais pas quand t'es en forme ou pas, est-ce que t'es toujours à 20% de ce que t'es capable de ressentir au niveau sensoriel, comme tu dis. Et moi, c'est ça en fait qui m'empêche de faire un truc, c'est que je supporte pas de me sentir amoindri. C'est pareil, t'imagines, t'es une soirée, tu fumes une clope, jusqu'au lendemain matin, tu le sens. Tu dis putain, le truc dégueulasse, ma bouche ça va pas, la gorge ça va pas, je suis en vrai. Et puis surtout en plus, tu vois aussi, c'est quand les gens qui boivent régulièrement, qui fument régulièrement. Bah en fait c'est pareil, eux ils sont adaptés mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'eux ils font... Ils ont une plus grosse tolérance à ces trucs-là et tu te dis mais c'est pas possible, et en fait, normalement je devrais être une machine à côté de... Bah non. L'espèce de lifestyle que tout le monde a à mon âge par exemple, c'est un peu, moi j'appelle ça, c'est la facilité, c'est le plaisir, tu vois, c'est vraiment... Parce que moi si on en parle, c'est pareil, quand je, par exemple si on parle des nanas, tu vois, quand je rencontre une fille, j'ai pas voulu à rentrer. Non mais tu peux, moi c'est sympa d'en parler en fait, parce que c'est vrai que du coup en fait cette jeunesse là elle bride un peu tout le monde au niveau des grands rêves, des gros objectifs et tout. Les gens ils vont vers la facilité, ils vont tous les week-ends, ils vont avec leurs amis et tout, c'est cool, tu vois. Mais au final, moi, quand je rencontre des gens comme ça, ça me bride avec eux, tu vois. J'ai l'impression, je pourrais pas avoir une nana qui sort tous les week-ends, par exemple. Non, mais ça, c'est bizarre. Et pour trouver une fille, parce que c'est vrai que les filles, en plus, elles sortent beaucoup à mon âge, là, c'est incroyable. Pour trouver une fille qui est assez mature pour déjà penser à ses rêves, déjà penser à construire, tu vois, construire sa vie, vraiment. Parce que, on va le dire, hein, les soirées, c'est une perte d'argent, une perte de temps. Ouais, après, c'est... Après, voilà, c'est de l'expérience. Pour moi, il faut qu'il y ait un moment d'instant. C'est cool de voir ses potes et tout, mais genre, en vrai, si tu parlais d'instant présent tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui, justement, font pas ça pour la performance, pour devenir des meilleures personnes, mais juste parce qu'ils sont dans l'instant présent en soirée, à profiter ou autre, ouais. Et eux c'est leur moment de plaisir justement. Tu vois, quand ils boivent, ils sont vraiment avec les gens, ils sont dans le bar, etc. Donc, et eux aussi ça doit être pareil en fait, le cerveau s'éteint, ils sont dans la sensation, ils sont dans l'instant présent à ce moment là. C'est ça qui sert les drogues. Ce que justement beaucoup de sportifs ont du mal à faire, parce que quand ils se retrouvent dans ce moment là, il y a toujours la petite voix derrière qui dit la séance de demain, la performance physique, le truc. Et toi ça te plombe alors qu'eux ils sont capables de la faire. Et tu sais, quand tu vois l'heure, en fait quand tu sors, par moi par exemple, si je sors, je vois l'heure passer, je suis là, mais putain, qu'est-ce que tu fous là quoi. En plus, des fois ça vaut pas la peine quoi. Des fois tu sors, tu te dis mais... Ouais, mais tu vois, c'est putain, non, comme tu dis, toi t'es dans ta voie et il faut aussi réussir à comprendre que ces gens-là, ils arrivent à être à fond dedans. Et je te dis parce aussi, que aussi, moi, c'est ce que je vis aussi, c'est que quand je suis, surtout j'étais en soirée avec les gens, il durait à 2h, 3h du matin, moi je regardais l'heure, je me disais entraînement de demain, d'après-demain, et en fait je me suis rendu compte petit à petit que j'étais pas capable de m'amuser de la même manière qu'eux, parce que j'arrivais pas à faire taire cette voix qui me dit il y a la recherche de performance à côté dans mon sport ou autre, et eux ils s'en foutent. Et c'est un peu et j'en ai envie des gens comme ça, parce que moi j'étais pas capable d'être à ce niveau-là de relâchement et de prendre plaisir dans le moment. Chaque fois, toutes les ans, je pars en vacances avec mes potes. Et ils se foutent tout le temps de ma gueule parce qu'en fait je pète des câbles, parce que moi au petit déj ils me font mes œufs, ils me font mes machins, etc. Ouais. Et en fait je sais pas lâcher. Ils te disent tu sais pas lâcher. Et je sais pas le lâcher. Je sais pas le lâcher. C'est un peu le même. Je peux pas leur en vouloir parce que c'est vrai qu'ils arrivent à dire là, pendant une semaine. Non, en soi, ils sont meilleurs que nous là-dessus. Oui. Après, le problème c'est que très souvent ces gens-là ils sont là-dessus en permanence. Oui.
Et tu as des personnes qui vont réussir à faire le juste milieu où 11 mois et 3 semaines par an, ils vont être à fond dedans. Et il y a une semaine où ils vont complètement lâcher, réussir à être vraiment le fait de profiter. Après, c'est genre, je pense qu'il y a aussi cet effet de, voilà, les gens, ils taffent. Où les gens ils sont aux études et ils ont juste envie de lâcher prise de week-end. Bien sûr. Et ça je peux comprendre, tu vois, ça, c'est pour ça qu'ils le font la plupart. Hein. C'est pour se retrouver justement dans un endroit qui est autre que l'école où il y a la pression, les examens et tout. Au final, c'est un peu le. Ça aide à surmonter la misère, on va dire. Tu sais qu'avec Robin en école de commerce, c'est ce qui nous faisait peur, c'était la vie de Parisien, on appelait ça à cette époque. Où le lundi tu vois un taf que t'aimes pas, tu te fais cracher dessus par ton patron pendant 5 jours. Ouais, pendant 5 jours, tu t'es comme ça, et arrivé le vendredi soir, tu te dis ça y est, délivrance, vendredi soir, grosse caisse, samedi soir, grosse caisse, et dimanche, tu pleures. Et puis, et jeudi, c'est l'afterwork, c'est en gros, parce que, on va pas se mentir, hein, les Parisiens, les afterwork, c'est pas des trucs pour rencontrer du business, hein, c'est pas des trucs pour voter, c'est des trucs pour déjà se pré-bourrer la gueule. Parce qu'en fait les mecs ils ont besoin en jeu, à part, tu sais, jeudi déjà tout le monde en peut plus quoi. Ouais. Sinon il y a une fois moi où j'ai fait une soirée le samedi soir, je suis revenu le lundi, j'étais une machine à la salle. Et j'ai pas compris d'ailleurs. J'étais mort, ça dure encore ce profil. T'as 21 ans. Non mais des fois le corps il est trop bizarre. Genre hier j'étais un peu malade, tu vois, je me sentais pas bien, j'avais mal au ventre et tout. Et j'ai été faire mes départs hier et j'étais vraiment en forme quoi. C'est hyper bizarre. 2 heures avant, j'étais sur les chiottes, pas bien quoi. Et deux heures après, des fois, le corps il est. Oui, non, c'est vrai que des fois. Si y en a qui sont pas d'accord, ne vous insultez pas, donnez-nous juste votre point de vue en commentaire. Normalement, on essaye de prendre en compte parce qu'il y en a plein qui vont peut-être pas être d'accord. Il y en a plein qui sont salariés du tertiaire, qui sont hyper bien dans leur boulot et qui voient pas ce moment du week-end comme la délivrance. Ah ouais, oui, il y en a plein, mais j'aime bien mon métier, je fais mes trucs et le week-end, en plus, je profite de ça. T'sais. En tout cas, les gens qui vont lundi au boulot et qui sont contents d'y aller. Bah vous avez passé une grosse étape dans la vie parce qu'il n'y a pas tout le monde qui. Ah, mais pour moi, le dimanche soir, tu dois être un peu excité. Le dimanche soir, tu dois trembler quoi. Tu dois être là, c'est bon, demain j'y vais quoi. Ouais, par contre, quand le dimanche soir, tu te dis putain, c'est reparti pour 5 jours, là t'es pas bien. T'es pas bien, et le stress est l'un des premiers facteurs de mutation. Moi, ça m'a marqué. En gros, quand j'ai terminé l'école, je savais que je voulais monter ma salle. Et la preuve, c'est que je suis allé travailler à Paris dans une salle qui faisait de la remise en forme, enfin, pas dans une salle, dans une société qui faisait une appli en ligne. Du coaching en ligne. Et je me rappelle d'avoir été hébergé chez une pote qui était en coloc avec deux autres filles et d'avoir passé juste 2 semaines chez eux. Et du coup, le dimanche soir, on était ensemble dans le salon et les filles, elles étaient angoissées. Et ça m'a marqué, je me suis dit, moi, je peux pas ça. J'étais en train de regarder en plus. Je me rappelle, je regardais une autre fiche de film qui est un mec qui squatte, je sais pas combien, il squatte 3. Yann Gold, 1000 lips x 2. Voilà, 1000 lips x 2, il a fait au squat. Je me rappelle, je regardais une autre ce mec-là et je me disais, en fait, c'est ça. C'est vachement cool ce que vous avez créé tous les trois là. C'est quand même boulot, mais les deux premières années. Mais moi, ta place, enfin, de voir les gens justement sortir le meilleur d'eux-mêmes, tu vois, et de progresser, de. C'est des moments. Même si voilà, il y a une partie un peu prépa où les gens ils doivent accepter la défaite, ils doivent vraiment prendre leur temps sur technique. Les bases, tu vois, par exemple les abdos, les lombaires et tout, faut vraiment prendre le temps là-dessus. Mais quand tout va ensemble et qu'au final tu arrives à ton objectif, c'est beau quoi. C'est ce qu'on montre sur Instagram, hein, y a que des records. Je mets pas le 10x3 à 70% en pleine prépa ça fait pas bander comme on dit. Et du coup, on va revenir enfin sur la dernière question, les objectifs. Long terme, si t'es grave. Ouais, parce que du coup, on était parti sur les objectifs, mais lui il a. Ouais, mais c'est bien, c'est bien, c'est ça. Excuse-moi. Ouais, c'est cool. Non, c'est... Du coup, pour les objectifs, moi j'aime bien dire que voilà, chaque année j'ai envie de revenir plus fort et juste d'être une meilleure version de ce que j'étais l'année d'avant en fait. En vélo ou dans la vie ? Il n'y a pas vraiment sur les deux. Parce que je pense qu'il n'y a pas d'équilibre si tu te focalises pas sur ta personne et ta maturité, ta façon de penser en même temps. Tu pourras jamais aller avoir cette petite chose en plus qui fait que t'es un champion en fait. Donc saison prochaine, ça veut dire top 6 mondial sur une compétition internationale. Allez hop. Voilà. Non mais voilà, le but pour cette année c'était d'essayer de rentrer dans le top 3 mondial. Du coup, vu que j'avais fait une finale, je savais que j'étais capable d'aller en finale. Tu peux aller rivaliser avec le top du ouais top. Voilà, c'est ça. Quand en finale, tu sais que tu peux. Enfin, voilà, de toute façon, j'imagine qu'il y a une part d'imprévu aussi. Hein. Un mec qui n'est pas le meilleur peut gagner. On est tous un peu du même niveau dans le top 16. De toute façon, c'est le mec qui va rouler le mieux en demi et en finale qui va pouvoir se mettre sur le podium. Mais voilà, dans mon plan, voilà, c'était. Même si j'aime pas trop me dire je vais arriver là-bas, je vais faire un truc en particulier.
je me suis jamais trop focalisé sur les résultats et c'est ça ce qui m'a un peu sauvé, tu vois. Le fait de ne pas avoir un objectif précis. C'est sur le chaque... process en fait, tu te dis je veux bien m'entraîner. Non, mais je me dis voilà, moi je suis sérieux dans mon entraînement, je suis sérieux dans mon hygiène de vie, je mets tout en œuvre pour que ça soit bien. Et je vois ce qui se passe, tu vois. T'es focus sur le process, sur le voyage plutôt que la destination. T'es rationnel aussi, tu sais pas, tu maîtrises pas le niveau des autres. Non, mais ça sert à rien de se mettre la pression avant une compète et de se dire vas-y, faut que je fasse. Je pense que c'est pareil pour nous. Surtout dans un sport comme le tien où t'as le niveau des autres qui rentre en jeu et ça, tu le maîtrises pas. Oui, c'est clair. C'est pas dépendant de toi. Là, tu dis je suis à mon meilleur niveau, je fais ma course et après on verra ce que ça donne par rapport aux autres. Non, c'est pas vu depuis 10 mois. C'est comme si on rejoue toutes les cartes là. T'as les mecs qui sont venus de blessure, t'as les mecs qui. Tu vois, on a tous pu prendre soin de nous, on va dire. Oui, vous avez tous eu 10 mois d'opportunités pour faire quelque chose. Il y en a qui les auront peut-être pas utilisé de la même manière. T'as des gens qui, voilà, t'as des gens qui se disent ouais, ça fait chier, on a 10 mois. Mais moi, je me suis dit, voilà, t'avais un petit déficit physique. Parce que je pense que mentalement, j'ai toujours été au-dessus que mon physique. Et j'attends mon physique de rejoindre mon côté mental. Et le jour où les deux rentrent ensemble, ça risque d'être cool. Mais le côté physique, bah voilà, c'est, il faut être patient. Je pense que voilà, comme je t'ai dit, j'ai commencé à m'entraîner tard, donc les années d'entraînement, c'est hyper important. Nous, c'est le centième que tu vas gagner sur la butte, bah ça peut être des fois 6 mois d'entraînement, c'est tellement surtout dans les sports où la maturité arrive relativement tard. T'as des sports où les meilleurs performeurs sont à 20 ans et t'en as d'autres c'est à 30 ans, 35 ans dans la force. Et le fait que tu sois du coup dans le process comme ça, est-ce que t'as une vision long terme quand même? Parce que c'est un peu en contradiction du coup. Oui, oui, à long terme. Tu seras dans 15 ans, après peut-être à 4 ans, après ta carrière vélo. Voilà, est-ce que t'as déjà pensé à ta carrière post-vélo par exemple? Ça c'est intéressant. Ouais, j'aimerais bien être, déjà j'aimerais bien mettre des sous de côté et essayer d'investir dans les choses qui m'intéressent. Je essaie de grandir, de m'intéresser à plein de trucs, voir ce qui m'intéresse vraiment. J'aimerais avoir des revenus passifs, tu vois, j'aimerais pouvoir un jour, j'ai pas besoin de travailler au final, j'ai des business qui tournent et voilà quoi. C'est ça mon objectif en gros, essayer de maximiser le temps où je vais vivre réellement ma vie, tu vois, parce que Si tu fais le récap de la plupart des gens, tu vis quasiment jamais. Tu finis tes études, tu dois bosser, tu fais des enfants. Ça dépend si c'est des choses qui te font vibrer. Dans le schéma, t'as pas trop de moments pour toi où tu vis et c'est que pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ce que j'essaie de faire, c'est. T'as pas du tout d'objectif, pas forcément d'objectif, mais de vision, de te dire. Après le BMX, j'aimerais le coacher le BMX ou alors faire de la musique à temps plein ou faire de la photo vidéo à temps plein. Tu veux pas te focaliser pour l'instant, tu dis en fait, je pense toujours que si tu te focalises sur un truc qui est loin devant ou qui s'est pas encore passé, tu te déconcentres un peu de ce qui se passe en ce moment. Tu préfères le court terme que vraiment te dire j'ai une vision. Je préfère le jour même en fait. Même, ça fait sens avec ce que tu as dit avant. Extrêmement court terme. C'est le. T'as parlé du pouvoir l'instant présent, toi t'es vraiment dans le quasiment jour le jour. Exactement. On voit la prochaine compète qui arrive, on verra l'année d'après, prochaine. En fait, je pense que tu peux t'angoisser indirectement sans le vouloir en pensant à des choses qui sont loin devant et qui sont pas encore arrivées. Je pense que la meilleure chose que tout le monde peut faire, c'est juste donner le meilleur de soi-même chaque jour. Et surtout, je pense qu'une vision à 6 mois et 1 an est beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus visualisable qu'une vision à 10 ans, en fait, simplement. Il y a trop de choses qui se passent. En fait, t'as des idées, la vision long terme, elle doit être large, en fait, parce que tu pourras jamais aller sur un chemin et te consacrer. La vision long terme, elle est là, mais moi, je vois, j'ai des portes qui s'ouvrent et je sais pas encore où je vais, tu vois. De toute façon, là, moi, je le vois, je fais des plannings à chaque fois dans les journées, la veille au soir, j'écris sur mon tableau, je mets chaque ce que je dois faire, etc. Et j'arrive déjà pas à tenir sur une journée, j'ai ma vision de ma journée, j'arrive pas à la tenir. Je me fouette pas, hein, je m'en fous, je sais que c'est comme ça. Mais tu le vois déjà juste sur ça, alors t'imagines déjà une vision à 6 mois, 1 an, il y a déjà pas mal de risques. On va faire un plan d'action pour la salle qui est une entreprise. À 30 jours, à 90 jours, c'est tenable, mais de toute façon, s'il y a 3 ans, on avait voulu faire un plan d'action pour aujourd'hui, ça aurait pas ressemblé du tout à ce qu'on fait aujourd'hui. Oui, c'est clair. Pas parce qu'on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait faire, mais constamment. En fait, on a plus envie de faire aujourd'hui ce qu'on aurait voulu il y a 3 ans. Ça a complètement changé nos ambitions. Notre vision, on va dire, hyper globale, je pense qu'elle reste la même. Oui, voilà, quand on voit dans 10 ans, avec Robin, on en parlera peut-être dans notre podcast si on en fait à 3, mais on a notre idée de ce qu'on veut faire, on a notre idée de, oui, de, tu de sais, ce tu... que PowerCamp va devenir. Ce qui m'a motivé au départ, me motive toujours aujourd'hui, en fait. Ouais. Ce qui m'a vraiment fait me dire, ok, je vais me lancer là-dedans, etc. La vision que j'ai du truc, c'est la même.
C'est la manière dont je le fais qui a changé, c'est tout, en fait. Tout ça se ressent dans vos athlètes, hein, les gars que vous entraînez, ils sont... Au final, ils s'imprègnent un peu de votre personne, qui est, c'est assez motivant de s'entraîner avec vous, et du coup... Ça, c'est le meilleur retour qu'on puisse avoir, en tout cas, de... Non, mais c'est clair, vous êtes bien attentif à tout le monde, et au final, c'est ce qui marche. On est des bébés, on verra dans 5 ans. Ça marche. Et ben, je crois qu'on a tout dit. Merci beaucoup, en tout cas. On a fait le tour, là. Ouais, je venais à dire que ça avait été... C'est un des points que je préférais faire. Pas pour te saucer, mais c'est vachement revigorant de parler avec un mec qui est plus jeune que moi. Est-ce que c'est le plus jeune qu'on ait en podcast? Je pense que t'es le plus jeune qu'on ait en podcast. Moi, je vais avoir 30 ans là d'ici... Putain, on dirait pas. D'ici deux semaines, tu vois. Alors, je suis plus jeune que lui. Je vais avoir 30 ans et moi, j'y pense pas, tu vois, là, je m'en fous. Et j'ai toujours les dents qui règlent le parquet. Ah, je suis hyper motivé en ce que je fais, je vibre au travail. Mais ça, là, tu vois, avec la conversation qu'on a eue, j'ai un coup de boost. Tu vois, je sais que je vais partir sortir de la pièce et je vais être. Ça va, notre discussion, elle m'a touché. Ce qui est top, c'est que les gens qui regardent aient ce coup de boost aussi. Voilà, donc j'espère que vous allez l'avoir parce que c'est quand même rare d'avoir quelqu'un qui a cet âge-là et qui a autant de motivation. Ambition, la tête sur les épaules. Et alors que tu as déjà accompli énormément pour un mec de 21 ans. Voilà, j'espère que ça vous fera sentir la même chose que nous. Et voilà, merci pour le temps. C'est pas la dernière fois qu'on le voit, déjà parce qu'il vient venir s'entraîner ici. Ouais, et la deuxième chose, c'est pour vous, c'est qu'on va faire des vidéos ensemble. On va faire des vidéos là, comme des vlogs. On va voir en vidéo ce que tu donnes sur de l'altéro, mais aussi ce que tu donnes un peu avec Robin sur. Voilà, donc on n'en dit pas plus, on laisse ça à la surprise. Et voilà, avec Eddy, on va faire quelques vidéos et puis on essaiera de faire un peu de vélo aussi, peut-être, j'essaierai. Ouais, ça va. Voilà. Bon, ça, donc, je te le laisse. Ouais, voilà. Donc, du coup, merci d'avoir regardé. Merci encore à toi, Eddy, et à Louis pour le moment. Et puis, on se revoit très bientôt. Merci, salut. À bientôt. Abonnez-vous à la chaîne, les gars. C'est très important, faut le dire. Abonnez-vous, likez. Et la cloche, la petite cloche, comme ça, vous avez les notifications d'Akenda. L'Instagram de Eddy. On voit pourquoi toi, t'as 3000 followers, moi 1700 et lui, il a 20 000. Plus d'entraînement. Ça, c'est la génération. Ça, il est sur TikTok, je suis sûr. T'as sur TikTok. En plus, attends. Ouais, il est sur TikTok. La coupe de cheveux, c'est qu'il est sur TikTok. J'ai mis la casquette parce que c'était une catastrophe. Allez, salut, bonne soirée. Salut.